Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream. Un énorme merci Mimiche pour cette annonce en double, bug d'OBS s'il en est. Merci énormément, 32e mois d'abonnement, 2 ans et 8 mois, c'est de la folie. C'est de la folie pure et douce. Et GG Mimiche. Merci beaucoup. Et donc, salut Mickaël, salut Samduk, salut Yvan de la Coque, salut Sarada, salut Charivari, salut Gadjil, j'ai oublié Gadjil. Bienvenue à toutes et à tous. Coucou à Calice le demi-stack. Je visais la fin de l'intro. Oh, c'est pas mal, Mimiche. T'étais pas loin du tout. Bon, j'espère que vous allez bien. Hello, les groupings. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, j'ai passé un très bon week-end. Bon, un peu pluvieux, c'est le seul truc un peu dommage. Mais je dois dire que, à l'approche des vacances, hein, il me reste 2 jours d'école. La préparation était quand même plus légère. Et donc, j'ai pu me détendre plus que d'autres week-ends. Et ça, ça fait plaisir. Coucou, Black Dragon. Par exemple, peut-être que certains l'ont vu passer sur Twitter, mais mercredi, je suis allé... C'était mercredi ? Était-ce mercredi ? Oui, ça doit être ça. Mercredi, je suis allé faire des... Oui, c'est ça, je suis allé faire des petites courses. Et du coup, j'ai trouvé Death Stranding, exactement, à Calice. Death Stranding sur PS4. Ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter d'occasion, mais je voulais pas mettre beaucoup. Il est trouvable aux alentours de 20,09€. Et j'attendais qu'il baisse en occasion, donc je l'ai eu à 15€. Ma foi, 15€, je me suis dit qu'en occasion, c'était raisonnable. Donc je l'ai acheté. Et du coup, j'ai testé ça ce week-end parce que depuis mercredi, j'ai pas eu le temps. Et j'ai fait 2 petites sessions, 1 heure hier, 1 heure aujourd'hui, pendant la sieste du petit. Et ma foi, j'ai déjà vu un let's play intégral hein, d'Atomium sur ce jeu quand il était sorti. J'ai beaucoup aimé son let's play, donc je m'étais dit que je ferais le jeu moi-même. Et du coup, pour l'instant, au bout de 2 heures de jeu, j'en prends plein les mirettes. C'est très beau, j'aime beaucoup le style, la direction artistique. Donc, ma foi. Pour revenir à GeoGuessr, cet après-midi, j'ai fait mon petit daily challenge. Attendez, je vous pousse le chat. Regardez mon petit daily challenge de la journée. Donc j'en avais pas fait depuis le 1er juillet, donc 1er c'était quand c'était jeudi, donc j'avais pas fait vendredi et samedi. Là aujourd'hui j'en ai fait un, et je suis content, 2e médaille d'or de la semaine, ça rattrape celle de mercredi qui était toute pourrite. Donc voilà, je suis plutôt content de ça. À côté de ça, vendredi soir, on a... non, jeudi soir... Un énorme merci Sarada, merci beaucoup à toi, bienvenue dans la confrérie des enclumes, merci beaucoup pour ton premier sub, c'est très généreux de ta part, merci beaucoup, bienvenue beaucoup. Regarde le classement ami, c'est dans Activities, non? Attends, t'as fait mieux que moi? Non?
Non, mais c'est très très bien, t'as très bien géré 21 000 points, c'est nice. GG, GG. C'est ça que tu voulais me dire, Calice? Eh ben GG, ouais, non, franchement, mais j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu de la chance pour avoir la médaille d'or. Et donc, je disais donc, je sais plus ce que je disais. Oui, si, du coup, jeudi, avec Mimich, on avait réussi à débloquer des trucs sur Godot, donc cet après-midi, j'ai fait un petit peu d'optimisation, Mimich sera content de savoir que j'ai viré les prints, j'ai réglé aussi le problème qui empêchait les entités de passer leur tour automatiquement, donc maintenant, quand elles ont 0, et c'est important, hein, quand elles ont 0 points d'action, le tour se passe automatiquement, donc on peut enchaîner plusieurs créatures les unes à la suite des autres, et j'ai commencé à réfléchir sur la façon d'intégrer la petite console avec les log du jeu. Donc ça va être sympa. Et coucou mes lunettes, bienvenue, bienvenue. Aïe 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 Mickaël. Aïe aïe. Ah ça c'est quand tu te plantes de pays, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Enfin voilà, petit week-end bien sympathique pour moi. Hier j'ai bossé aussi un petit peu sur Holycube, donc j'ai farmé un petit peu de béton blanc. On devrait pouvoir cette semaine bien bûcher sur Holycube parce que je vous montre le planning. Oh, sabot. Sabot, sabot. Planning spatial pour les vacances. J'ai changé un petit peu la couleur, une couleur un petit peu plus bleutée, un petit peu plus vacances. Et vous voyez que la semaine est pleine. Et oui, c'est les vacances. Ce week-end aussi, oui, on n'en a pas parlé, mais c'était le dernier du. C'était le dernier Holy Business. Donc. D'un point de vue RP, c'est la grève hein, qui a tout précipité et le retrait des journalistes de la rédaction qui filent prendre des vacances bien méritées dans le village Zipi. Et d'un point de vue hors RP, tout simplement, j'arrivais un petit peu au bout d'un cycle, au bout des idées que j'avais. Et puis, il y a un peu moins d'activité sur les cubes liées à la zone commerciale, parce que par rapport à d'autres projets, il y a toujours des activités, mais. Et puis surtout, c'est les vacances et je vais avoir beaucoup moins d'occasions de tourner seul chez moi comme je le faisais jusqu'à présent tous les mercredis pour enregistrer le Holy Business. Donc, du coup, pour toutes ces raisons, j'ai terminé le Holy Business et du coup, je récupère le créneau du mardi. Donc, pendant les vacances, quand je serai présent chez moi, parce que je vais quand même partir aussi, eh bien, on va pouvoir se faire des semaines complètes. Alors après, ça va peut-être bouger parce que j'ai pas la date de notre prochaine session de jeu de rôle avec mon groupe de jeux de rôle, donc peut-être qu'il y aura peut-être une séquence qui va sauter, mais si rien ne change, regardez-moi cet emploi du temps de folie, 3 fois Holycube, lundi, jeudi et samedi, 2 fois Astroterre, mardi et vendredi, difficiles aventures comme d'habitude, mercredi, j'y tiens, j'ai très 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 envie de continuer le quartier, les débuts du quartier, et dimanche prochain, on ne fera pas du GeoGuessr dimanche prochain, on fera un jeu au choix. Je vais vous proposer très prochainement, dans le courant de la semaine, peut-être mercredi, un sondage sur le jeu qu'on fera dimanche. Et ce sera Genshin Impact, Solasta, Octopath Traveler ou un autre jeu, on verra. Du coup, et c'est quand les soirées IRL? Eh ben, il n'y en a pas. Et ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien. Donc voilà, semaine complète. Charivari, tu ne seras absolument pas, ou Mimiche, hein, vous ne serez absolument pas obligé d'être en modération tous les soirs. Hein. Vivez votre vie. Enfin voilà, quoi, je ne vous impose rien. Les collègues vont s'ennuyer sans. Voilà. Non, ils ne s'ennuieront pas. On ne va pas faire des soirées toutes les semaines et c'est les vacances. Voilà. Mimiche qui dit ouf. Bon, en tout cas, vous avez l'air de vous régaler avec vos crêpes. Allez, je rejoins les copains en vocal. Hein. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hello. Comment allez-vous? Ça va et toi? Bah impeccable, je suis sûr que ce nouvel emploi du temps vous enjaille. Ah bah carrément. Ouais. Quand est-ce qu'on va se reposer? En fait, on se posait la question, quand est-ce qu'on va se reposer en fait désormais? C'est les vacances, on se repose pas pendant les vacances, voyons. Moi Ah j'ai dit que j'avais pas de soirée IRL non plus de prévu, donc ça allait. oui. Moi je disais simplement que du coup, je vais encore me faire voler des viewers. C'est honteux. Mais en fait, on n'a pas les mêmes horaires, du coup, ça va. Ouais, et C'est puis surtout que je vais pouvoir te les renvoyer. ouais, et puis on stream pas sur la même chose, donc les gens Oui. qui
qui veulent voir des jeux comme tu fais, genre... Avec le temps, on a un public qui commence à se diversifier, pour le coup. Donc, ouais, parce que tu fais pas mal de... Je trouve plus le nom, mais c'est Don't Starve Together, c'est ça? Alors, bah, plus maintenant. D'accord, t'as arrêté. Ok, bon. Tu fais ouais, des streams de talk, là, ça part de sur talk du show. Il y a du talk show. Ouais, c'est Zelda Breath of the Wild. Voilà. C'est, d'ailleurs, en ce moment, j'ai beaucoup moins de Minecraft que du reste de jeux. Petite question pour Breath of the Wild. Tu as une carte d'acquisition ou tu joues sur émulateur? Carte d'acquisition. D'accord, ok. Ok, ok. Parce que j'ai essayé de d'installer l'émulateur Switch et j'ai fait ça très 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 vite fait et beaucoup trop vite fait, ça ne fonctionne pas du tout. Bon, faudra que je me fasse aider ou que je lise la documentation. Mais... Ouais. Ouais, je rappelle qu'un émulateur... Je rappelle qu'un émulateur, c'est à la limite de la légalité à partir du moment où tu possèdes les jeux. Je dis bien limite. Donc, ayant, c'était pour essayer éventuellement d'avancer sur Zelda. Base, le logiciel de base n'est pas illégal. Par contre, le fait de posséder des jeux que le logiciel lit est illégal. Mm-hmm. Sauf enfin, si tu les as achetés. Télécharger des... Voilà. Bah, dans tous les cas, vu que c'est des genres de... Enfin, pas des DRM, mais des fichiers jeux qui sont censés être sur cartouche console que tu achètes, mmh. Le fait de les posséder sur ordinateur sur un autre support, ouais. L'émulateur, je suis pas sûr que ça soit très... Oui, mais bon, on est... Je sais plus comment est fait la frontière, mais c'est assez... Voilà, on est à la frontière, ouais. On est à la frontière, mais bref. Bref. Du coup... Je me permets de te poser une question, oui. Du coup, GeoGuessr, Oran, mais je crois que tu as vu passer, parce que je t'ai vu réagir à la photo... T'as vu ce que j'ai eu quand même à, ouais. À deviner. Alors, je peux donner la réponse, elle a été trouvée sur le Discord ou pas? Bah, personne n'a répondu. Personne n'a répondu, bon bah... Coup, moi, je pense que c'est le Japon. Comment tu as deviné? Je sais pas pourquoi, mais moi aussi. Bah... En fait, en plus, c'était trop là parce que vraiment, je spawn, je vois les traces rouges, je dis « Ok, c'est bon, je sais où on est. » Alors du coup, j'étais un peu en mode « Bon, ils vont se dire, mais comment il fait pour savoir et tout ?» Je vais aller, je fais 2 mètres et tout, je regarde, oh tiens, comme de par hasard, des kanji japonais, quelle surprise. Et après je leur dis, bah, simplement les difficiles aventures, le pont. Et salut Darkbane, bienvenue. Yvan de la Coque, oh, oui ça fait un moment que j'ai vieilli quand même, ça fait un mois presque. Oh la violence. Ah ouais. Mais alors moi j'étais sur mobile au moment où j'ai vu ton message à Kaïs et je pouvais pas beaucoup zoomer sur la photo. Et du coup en fait j'ai vu le remblai sur le côté, la ligne jaune sur la route. Je me suis dit oh, et puis le paysage, hein, je fais oh, ça fait penser ouais. Au Japon. Et ah oui, donc après, t'avais même pas vu la peinture j'ai vu, au sol en fait. Voilà, je voyais pas la peinture au sol, c'était trop petit. Et après je vois ton message et tu dis oh, c'est évident. Je fais ouais, je suis pas sûr de mon coup. Enfin, je pense que c'est le Japon, mais j'étais pas sûr. Alors j'ai essayé tant bien que mal que j'ai pu sur mon téléphone zoomer, mais ça voulait pas zoomer beaucoup. Et après j'ai cru voir les lignes rouges, je me suis dit ah oui d'accord, ok. Enfin les bandes rouges, je fais, d'accord. Et salut oui, Brickman. Je suppose que t'as eu confirmation quand t'as regardé ton ordinateur. J'ai pas regardé. Du coup, ah oui, c'est pas regardé. Mais Oran, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Tu vois. Ah, c'est ça. Bah non. Mais une fois que j'avais vu les bandes rouges, j'étais sûr. Enfin, là, ouais. J'ai compris pourquoi tu faisais allusion à ça. Parce que forcément... Mais sinon, juste après, quelques pays après, comme te le faisait remarquer Mélu, j'ai eu le droit à la plus grande déception de ma vie pour GeoGuessr. Ah. J'étais sûr, mais sûr à 100% d'être en Italie. Et j'étais en Italie. Simplement. J'étais dans la cité-état de San Marino. Ah en mince, Italie. Ah oui. Du coup, j'étais pas en Italie. Donc, c'était très le sel à ce moment-là. J'étais à 17 pays. J'étais content. Même dans le chat, on était là. C'est sûr, c'est en Italie. Tout le monde était là. Mais bon, ouais, mais c'est dur. Là. C'est dur, et San Marino. J'avoue que de ce que j'ai vu, j'avais pas d'indice pour savoir que c'était San Marino. Ah là là. Yvan de la Coque qui regardait les épisodes et derrière. Ouais, mais il y a. Alors, je sais pas à quelle saison t'en es, mais de toute façon, il y a toujours un décalage entre les épisodes que je sortais et la date du tournage, donc ouais, c'est possible qu'il y ait un décalage comme ça. A plus Yukino, passe une bonne soirée, à bientôt. Ouais. Bref, en parlant de bonne soirée, j'ai vu, Mimiche, que tu avais préparé la feuille des scores. Tout est prêt, et tu nous as mis, après la Battle Royale classique traditionnelle pour laquelle il nous faudrait la musique de Rocky tellement Akalis s'est entraîné,
Tu nous as mis Street Art Europe. Ouais. On avait parlé avec Akialis la semaine dernière, je n'ai mémoire. Et donc j'ai trouvé une petite map Street Art Europe. Donc c'est l'occasion en fait de se balader en se faisant plaisir pour les yeux. Ouais, tout à fait. Et Brickman, pour te répondre, pendant la petite interlude musicale de Charivari. Non, Charivari, tais-toi, pense au DMCA. Brickman, la base spatiale, j'ai un petit peu préparé du matos, mais on en reparlera demain. Demain soir, stream sur Olicube, on finit le trou et on prépare le matériel pour commencer la semaine qui arrive, pour commencer l'élévateur pour les buggies et faire tout ce qu'on a fait en créatif, mais en survie. Du coup, ce soir. De base, Charivari, je l'aurais mal pris, mais étant donné qu'il a dit qu'il y avait moyen que le bot Twitch reconnaisse la musique, c'est plutôt un compliment. Yes. Voilà. Ah, j'avoue. Alors, ce soir, on commence par la Battle Royale. Je rappelle les règles. Il s'agit d'un match à élimination directe. Du 15, du 30, du 60 cm. Ça, ça rappeler aussi comment on compte. Parce que... Mais qu'est-ce qu'il raconte ? On a. Tu rappelles donc... les règles. 15, 30. Ah oui, tu veux dire double décimètre, triple. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, avant que Akalis prenne la porte, je rappelle les règles. Donc, ce soir on est 4, peut-être on sera rejoint par Marco plus tard, mais c'était pas sûr. Et donc, ce sera un match à élimination directe. Le dernier à trouver le pays est éliminé à chaque fois. Donc c'est un jeu de rapidité. De toute façon, on a un compte à rebours, hein. Donc on a très peu de temps pour savoir dans quel pays on se trouve. Et nous, on a effectué un décompte des points à notre sauce. L'essentiel étant de participer, on marque un point quoi qu'il arrive, mais chaque pays trouvé nous rapporte un point supplémentaire, et à la fin de 5 rounds, celui qui a le plus de points remporte la manche, la Battle Royale. Voilà, voilà. C'est marrant, ça me faisait un peu penser à la présentation de N'oubliez pas les paroles. Ah bah je sais pas. Ça faisait un peu le même ton, c'était drôle. Voilà, c'était la petite aparté. C'est le professionnalisme qui rentre. Hop, je prends le lien. Du coup, on est d'accord, on a dit pour le gagnant de la semaine dernière, c'était 100 000 points sur la première partie d'avance, histoire de repartir sur de bonnes bases. Hein. On a dit ça pour tous les gagnants des parties précédentes. Donc dans ces cas-là, j'ai 500 000 points d'avance. Pourquoi j'ai pas le lien, moi ? A plus, Brickman. Hop. Et donc je rappelle qu'on se mute pendant pendant la Battle Royale. Donc c'est quand vous voulez, les amis. C'est parti. Comme d'habitude, j'attends que vous vous mutiez et je lance quand tout le monde est muté. Et bah c'est parti, bonne chance bon à tous. Bon courage à tous. Merde. Hop, c'est parti. Oh, alors dans quel pays on est ? Europe de l'Est encore. Merci Samnuk. Alors. Hop. Le panneau, ça me fait penser à la Hongrie. Albanie, Hongrie, je ne sais pas. Écrit quoi là ? Ah ouais, c'est peut-être ça. Coopératif. Akalis a trouvé. Charivari a trouvé. Aïe aïe aïe. Je vais tester. C'est pas ça. C'est pas ça. Et bah, je sens que je vais être éliminé. Parce que j'ai aucune idée de où on est. Slovaquie. Et non, c'était la Turquie. D'accord. Et bah, aucune idée. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'indice. Ah bah là, c'est un peu plus facile. Il y a un drapeau là. Le drapeau de quoi ça ? C'est pas la Thaïlande ça ? C'est le drapeau de quoi ça ? Pas la Thaïlande. On est devant un beau stade. Costa Rica.
C'est écrit. C'est... Donc j'étais pas du tout au bon endroit. C'est le Costa Rica. Ah, le drapeau qui ressemble, quoi. Mais c'est pas celui-là. C'est marrant, c'est écrit en chinois, quoi. Ça doit être... Ça a dû être construit par des Chinois, en fait. C'est beau en tout cas. Il n'y a que Akalis qui a trouvé. Donc il va remporter le point. Et bah GG Akalis. GG Akalis. Hein. Moi j'avais trouvé Costa Rica, c'est écrit sur le stade. J'en ai appris une du coup. Je pensais pas qu'au Costa Rica ils parlaient chinois. Mais ouais, purée, mais ça a dû être construit par les Chinois. Tu sais, les Chinois, comme ils proposent leurs services de construction un peu partout. Et ils ont dû. Ouais, mais c'était écrit sur le stade, ouais. Costa Rica. Par contre, ça m'a fait. Enfin, j'ai un peu bugué. Parce que je t'ai vu, Mimich, essayer la Thaïlande. Ouais. J'ai pensé à la Thaïlande aussi. Le drapeau. Parce qu'en fait, le drapeau, ouais. C'est l'inverse. J'ai bugué avec le drapeau parce que j'étais en mode, mais attends, pourquoi lui le Costa Rica est pas passé et moi c'est passé. Et après j'ai retilté, je fais, ah, mais oui, je suis bête. C'est pas le même drapeau, mais c'est le même drapeau. En fait, c'est exactement l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'est ça. La Thaïlande c'est bleu au centre et rouge à l'extérieur, alors que le Costa Rica est exactement l'inverse. Et quel indice vous avez trouvé pour la Turquie? Parce que j'avais. Bah, il y avait un drapeau au spawn. Alors moi, c'était pas écrit Turquie quelque chose. Aussi, mais il y avait en fait, il y avait des. Bah, je ne l'ai pas vu. Donc, du coup, je n'avais aucune idée de là où j'étais. J'ai trouvé une écriture, mais ça pouvait être l'écriture de plein de trucs. Donc, Et en fait, sur le bâtiment de départ, t'avais, c'était une banque de mémoire ou une assurance. Et t'avais Turquie. Ah bon ? Mais on était au milieu de nulle part. On était dans la cambrousse. Non, mais t'avais un bâtiment. D'accord. Bah, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu du tout. Hop. Alors, Sam, est-ce que tu nous fais un résumé? Bah, il n'y a eu que deux pays, hein, c'est facile, hein, donc tu as marqué deux points. Oui, il y a eu Chili et Costa Rica. Donc, c'est Akalis qui prend la tête avec trois points. Ouais, j'arrive. Ouais, allez. Bon. Allez, on est reparti. Ah oui, il faut se mute, c'est vrai. Et bah, bonne chance encore. Hop. Alors. Où sommes-nous? Aucune idée. Ça ressemble en Roumanie peut-être. L'écriture là comme ça. Je vais tester Roumanie. C'est ça. Romania. L'écriture, ça m'a fait penser à la Roumanie. Des mots qui se terminent par AU. AU. Ça me fait penser à la Roumanie. Mais après, voilà. Je sais pas s'il y a plus d'indices plus loin. Je sais pas comment. Je suis curieux de savoir comment Mimich aura trouvé. Je sais pas. Ah là. Là, il y a le drapeau. Voilà. Ah là là, si tu as la police, il y a le drapeau roumain. Il y a le drapeau roumain, mais faut-il encore le connaître? C'est pas évident. Après, tu vois, un autre indice pour la Roumanie, c'est la voiture de la police, c'est une Dacia. Et Dacia, à l'origine, c'est une marque roumaine rachetée par Renault. Et là, il y a encore une Dacia. Donc, voilà, ça peut être un indice. Et Akalis a trouvé. Purée, GG Akalis. Alors, bon, là, j'ai aucun indice. Alors, toc, 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 on est dans une montagne. Purée. Il y avait des petits numéros. Est-ce que je suis parti du bon côté? C'est pas sûr. Ah. 476, qu'est-ce qu'il y a d'écrit d'autre? Ah purée, c'est quoi ce pays? SL Sri Lanka.
Purée, c'est pas le Sri Lanka. Merde. Mimich, il a trouvé. Enfoiré. L'Inde, peut-être, mais... L'Inde, la Thaïlande, par là. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais peut-être dû aller de l'autre côté. SL, ça aurait pu être Sri Lanka. Hein. Alors, j'étais allé par où? J'étais allé par là. Allez, on va aller par là. Mais là, j'ai pas de... Ah. L'Inde. On va tenter l'Inde. C'est pas l'Inde. Pff. Qu'est-ce que ça peut être comme pays, ça? Poupoupou. GG. GG. Honnêtement, je suis très très fier de moi sur le coup. Tu l'as eu au coup de chance ou vraiment t'as pu le deviner En fait, je l'ai eu au feeling. Je vais pas dire au coup de chance, je l'ai eu au feeling. J'ai vu les drapeaux à prière. On est arrivé au spawn. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, et donc, c'était pas au spawn, fallait bouger un peu. Bah, j'ai pas bougé beaucoup. Hein. Même fallait aller du bon côté. Moi, je suis allé de l'autre côté. En fait, j'ai fait un 360. J'ai dû descendre, je crois, de mémoire. Descendant, je les ai pas vus. Moi. Non. En fait, le problème, c'est que ça montait un peu avant de descendre. Donc, je pense que t'es plutôt parti du côté où ça montait légèrement, mais ça redescendait tout de suite après. Alors qu'en allant de l'autre côté, eh ben, tu les voyais pas. Ouais, mais en fait, j'ai trouvé des drapeaux à prière, et donc, c'est pour ça que je guesse d'abord Mongolie, parce que je pensais Mongolie pas au Bhoutan. Oh, c'est pas le paysage de Mongolie, ça, ouais. Et en fait, après, j'ai vu le Bhoutan, et je savais que le Bhoutan était strictivé, donc... Ah, ouais, d'accord, ok. Et ben, moi, j'ai vu sur une borne SL... avec une écriture asiatique. Donc j'ai fait Sri Lanka. C'est pas le Sri Lanka. Après, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Je suis revenu sur mes pas. J'ai vu le truc à prière. Non, j'ai testé l'Inde, quand même. Proche du Sri Lanka, mais non. Et après, j'ai vu le truc à prière. Donc j'ai testé Népal. Mais c'était pas Népal. Parce qu'il y a aussi Népal, les trucs à prière. C'était les bornes kilométriques. Où il y avait justement de l'écriture typée indienne, thaïlandaise. Mais j'ai pas reconnu du coup. Du coup, j'ai trouvé quoi, moi? J'ai trouvé juste un truc, en fait. Hein. Oui, non, il y avait la Roumanie, d'abord. Ouais, c'est ça, la Roumanie, ouais. La Roumanie, je l'ai fait au poil de cul. Ouais. En fait, c'est que il y avait le petit camion rouge, et je voyais les lettres, mais j'arrivais pas à les accepter. Ah ouais? Et j'ai reculé, et je suis tombé sur le camion blanc, et là, j'ai réussi à lire, mais encore pas très très bien. Et j'ai dit, ça ressemble vaguement à du point héros, allez, je tente la Roumanie, et coup de chance, c'était ça. En fait, moi, je l'ai fait à l'architecture. Parce que je pensais Pologne, je pensais à Pologne au départ. Et pareil, en fait, je l'ai fait comme toi, Aka, je l'ai fait au camion qu'on voyait directement au spawn. Ouais. J'ai chopé l'adresse en point héros, mais vraiment avec du mal. Et après, une fois que j'ai fait mon guess et qu'il était bon, je me suis déplacé et j'ai vu une bibliothèque municipale avec le drapeau roumain devant, en fait. Sur la fin on n'a pas dû partir du même côté. J'ai dû aller jusqu'au drapeau. Mais il ne me restait pas beaucoup de temps et j'ai cliqué sur tous les pays d'Europe et j'ai juste loupé la Roumanie. J'ai le droit de vous me moquer gentiment pour l'Espagne quand même au départ. Hein. Oui, c'est moi, j'avoue. J'arrivais à faire l'Espagne aussi. Oui, je crois que j'ai fait l'Espagne. En fait, c'est ce que je disais, j'arrivais pas bien à lire le premier nom de domaine et pour moi, ça avait l'air d'être un point ES, mais parce que c'était flou quoi. Moi, j'ai trouvé grâce à l'écriture sur les panneaux. J'ai pas vu sur les camions point héros. J'ai vu une pancarte avec des noms de bled. Tu parles roumain. Pas du tout, mais alors, en fait, il y a très longtemps, dans mes premières années d'enseignement, j'ai fait une correspondance scolaire avec une classe en Roumanie. Et du coup, les noms en AU. Qui était à la fin des panneaux, il y avait deux bleds et ça se termine par AU, plus comme tu disais Mimich, l'architecture locale, il y avait même une petite carriole avec un âne ou un cheval, ça m'a fait penser à la Roumanie. Et après, plus loin, après avoir validé la Roumanie, j'ai vu un poste de police avec le drapeau roumain et c'était des Dacia aussi, enfin, donc il y avait plein d'indices. Dacia, marque roumaine rachetée par Renault.
Mais par contre, j'ai pas vu la bibliothèque, alors on n'a pas dû aller du même côté, vraiment, du coup. Vraiment toute petite bibliothèque municipale, avec... Le drapeau était même pas avec mais, un mais film, à côté vraiment. De la station de police. Vous avez vu la station de police, vous? J'ai pas vu la station de police. Ok, donc je suis allé plus loin peut-être alors. Parce que là, tu pouvais pas la rater, la station de police. Bref, GG à toi, Mimiche. Hein. Donc pour les scores, on a Akaïs Mimiche au touche-touche à 5 points et Charivari et moi-même à 3 points. On fait que du touche-touche là, pour l'instant. C'est ça. Allez, ouf, on se mute hein, pour le troisième round. A tout de suite. Alors attendez, parce que j'ai ça qui me gêne. Voilà. J'arrivais pas à me muter. C'est bon. Alors, touc. Alors là, on est peut-être en... Où est-ce que ça va être sa praxis? .nl, on est aux Pays-Bas. Hop. Oh, Mimiche qui est out. Non, tout le monde l'a eu, ça va. J'ai eu peur, tout le monde l'a eu. Alors là, ça va pas être la même paire de manches. Oh purée, on serait bien en Afrique, peut-être ben. Et là, alors... Oh la vache. Où est-ce que ça peut être ça? Ah, une route. Pas du tout en Afrique. Oh purée, c'est quoi ce pays? Bon, on va tenter le Sri Lanka parce que le Sri Lanka, ils aiment bien nous le mettre. C'est pas le Sri Lanka. Putain. Ah. Une borne. Charimari, elle a trouvé. C'est où ça? Ce serait pas la Thaïlande, ça? Ouais, le petit aigle, ça faisait penser à la Thaïlande. Ouh putain, je l'ai eu sur le fil. J'avais pas vu que j'étais le dernier, quoi. Go! Ah, c'est où ça? Panneau anglais, panneau américain, peut-être. Peut-être la Nouvelle-Zélande, ça. J'arrive pas à lire. Oh, ça fait pas Nouvelle-Zélande, c'est pas le Canada. États-Unis? C'est États-Unis, hein. Parce que je crois pas trop à la Nouvelle-Zélande. Ça me fait pas trop penser à ça, mais... Un panneau stop, il roule à droite. Il roule à droite. C'était États-Unis, hein. C'était bien États-Unis. Salut Loulou, bienvenue à toi. C'était bien États-Unis. Ha! Qu'est-ce qui tente l'Angleterre parce que j'ai validé et qui se dit que c'est chez moi. GG Charivari. On va rattraper Mimiche et Akaïs comme ça. Alors, où sommes-nous? Dans le sud? Oh putain. Oh là là. Allez, je tente l'Italie. Juste parce que pourquoi pas. Yes. Oh, 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 le bluff. Johan. Oh le bluff. Ah ouais, en plus. Oh, je fais vraiment dire le sud. Allez hop, je teinte l'Italie. Ouais, ouais, je disais Grèce. Ah, l'Italie, parle pas avec l'accent du sud-ouest. Hein, oui, bah, je sais bien. Mais là, vous. De, faire... de ah, quoi excuse-moi, Rana. Non, non, je voyais Akaïs mettre son score en me disant qu'il a un point de plus que moi, logiquement. Oui. Possible. Oui, oui. Mais ouais, pas évident. Hein. Alors, sauf le Pays-Bas. Oui, Pays-Bas. Ah oui. Ça m'a fait rire, Mimiche attendait la prudence, il a attendu que nous, on le tous le guess avant de guess. Ah, en fait, non, c'est que je cherchais l'info qui vous permettait... En fait, je me doutais, mais... Enfin, je savais à peu près où j'étais, mais je cherchais l'info qui me permettait de vérifier mon idée, quoi. Et bah, c'était écrit sur un panneau. Ouais, c'est ça, je suis un petit peu dégoûté sur le deuxième. Alors, Thaïlande, je sais pas comment vous avez fait, moi j'ai réussi tant bien que mal, au bout de pas mal de temps, à rejoindre une route... Et j'ai vu une borne blanche sur la route et il y avait un espèce
d'aigles, d'oiseaux noirs, et je crois qu'on avait déjà vu ça dans une de nos sessions précédentes, et du coup j'ai trouvé Thaïlande. Mais au début j'étais parti sur Sri Lanka, avec l'écriture. Moi pareil, Coran, je passais de l'autre côté il y a un panneau avec l'alphabet, j'ai reconnu l'alphabet. Quand t'arrivais en route, quoi, sur un croisement hanté, trop tard, mais j'ai trouvé la même, mais trop tard pour moi en fait. Bah en fait, l'écriture m'a pas suffi. Et c'est l'aigle sur une borne, mais un petit peu plus loin que l'intersection, en fait. Bon, après, États-Unis, pas évident. Hein. J'ai vu que vous avez hésité. Moi aussi, hein, j'ai hésité. Angleterre. Canada, c'était une bonne idée. Et quand j'ai vu que vous aviez testé Canada, En fait, j'ai vu qu'il roulait à droite avec un panneau. Donc, j'ai abandonné. Parce qu'au début, j'étais aussi Australie, Nouvelle-Zélande. Mais. En fait, quand j'ai vu. Moi, j'ai pu jouer aussi, hein, sans guess. Mais quand j'ai vu où on arrivait, je me suis dit. Amérique du Nord, donc Canada ou États-Unis, je suis quasiment sûr de moi. Donc quand j'ai vu que ACAV proposait Canada, j'aurais guess États-Unis direct. Mais alors, Akalis, t'as testé l'Angleterre, tout ça parce que j'ai validé avant toi. Oui, ouais, totalement. Voilà. Je me suis dit peut-être l'Angleterre, et en fait j'attendais, je voulais tester l'Irlande. Donc dans tous les cas, j'y étais pas. Ouais, quand j'arrive à rien, était plus rapide. Ouais, c'est. Mais en fait, non, il roulait à droite, de toute façon. Irlande, c'est kilomètre. Mais Irlande, c'est kilomètre. Oui, j'ai vu les boîtes aux lettres, mais les boîtes aux lettres, ouais, pour moi, les c'est maisons anglophone. Avec, les maisons avec au moins trois voitures devant, je sais pas, je me suis dit, ça fait un petit peu. Et rouler à droite en plus. Hein, c'est. Par contre, il y a un truc qui m'a étonné, c'est au stop, avec marqué stop dessus. Je croyais pas aux États-Unis en fait. Bah si, tu veux qu'il y ait marqué quoi sur. Non, je sais pas pourquoi. C'est au Canada, si tu vois qu'il y a marqué arrêt, c'est que t'es au Canada. Ah ouais, pardon. Bon, j'ai dit mais Canada francophone. Pas partout. Pas partout, oui, pas voilà. Partout. Francophone. Sur la Thaïlande, j'ai testé au début le Ghana. Je sais pas si vous avez vu. Oui, mais ça m'étonne pas aussi, parce que ça faisait africain un peu. Oh, non. Bah, oui. Parce que la terre rouge et le ouais, vent. Ouais, bien sûr. Le... Ouais. Un des trucs méta que j'avais appris en allant sur le stream d'Antoine Daniel, c'est que la terre rouge, souvent, ça fait penser à l'Afrique. C'est rattaché à Afrique, voire Ghana. Dans la zone Ghana. Bon. Je crois, cher Ivary, qu'on a réussi à mettre un peu les pendules à l'heure en termes de score. C'est-à-dire que là, regardez-moi ces scores. On est au rang 4. Et il y a donc Akalis et moi-même qui sommes premiers à 8 points, mais Mimi et cher Ivary à égalité à 7 points. Donc c'est extrêmement serré. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Cher Ivary, on sait ce qu'il nous reste à faire. C'est tellement en poil de cul qu'on n'arrive pas à faire le classement correctement parce que du coup il y a deux premiers et deux troisièmes, mais il n'y a pas de deuxième. Ouais, mais c'est normal. Allez, du coup on se remute et on passe au quatrième. Ah, je vais pas cliquer sur play again, mais voilà, je vous rejoins et on peut se muter. Ah non, il nous manque Mimiche. Non, c'est bon. Oui, mais c'est pas grave, je vais me faire en deux fois. Ok, bah bonne chance. À tout de suite. Allez, c'est parti. Espérons qu'on ait autant de chance. Ça fait Angleterre un peu. Angleterre, Irlande là pour le coup. Alors il y a quoi marqué sur le camion? Simplydecorrected.com. Ta 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 ta. Est-ce que ce serait pas Angleterre peut-être? Est-ce qu'il roule à gauche? Il y avait une bagnole, j'ai pas vu, je crois qu'il roulait à gauche. À tester Angleterre. Et si c'est pas ça, on teste Irlande. C'est ça. Voilà. J'avais vu une voiture, j'avais l'impression qu'il roulait à gauche. Voilà, tout le monde teste l'Angleterre. Logique. Aïe aïe aïe, Charivari qui teste les États-Unis. Là il roule à gauche. Voilà, intersection comme ça, ça c'est voilà, Five Oak Lane. C'est très anglais. Très anglais, très très anglais. Alors, ça serait bien Amérique latine. Ça serait bien Amérique latine, Brésil ou truc comme ça. On va voir des écritures. Alors, est-ce qu'on en a par là des écritures? Ah, ou Afrique? Je dirais plus Amérique latine. Colombie, peut-être. Colombie, on va essayer d'avoir des précisions. On peut trouver un indice. Colombie, Venezuela, par là. Tiens, j'ai appris au fait que Venezuela, ça voulait dire petite Venise. Contra Poblado, Venezuela. Hein. Personne à trouver. Bon, je vais tenter Colombie. C'est pas ça. Je tente Venezuela. C'est pas ça. Il me reste plus qu'un.
Donc, Équateur peut-être. Mais peut-être pas du tout. Je testerai Équateur si jamais vraiment je. Lima, putain, c'est le Pérou. Voilà, écrit Lima sur le côté, donc c'est le Pérou. Pourquoi j'ai croisé la seule voiture qui roule à droite? Aïe aïe aïe, cher Marie, pas de chance. Ah, Mimiche, ouf. On roule à droite. Taxi comme ça, ça serait pas le Mexique, ça. J'ai un doute. Des taxis comme ça, mais je suis pas sûr. C'est pas ça, c'était le Ghana. Ah, le fameux Ghana. Ah, c'est les grandes gueules. Dis-moi que c'était le scotch, Mimi. C'est le scotch. J'en étais sûr. Je l'ai pas vu, le scotch. Je sais pas à quoi ça ressemble, cette histoire de scotch. Il est où? Bon, bah, on a... Il est sur le pare-choc? Non, sur directement, en fait, sur les barres de maintien de la caméra. Ah, sur les barres de maintien de la caméra de Google, ouais. Street. Mais comment tu vois ça? Tu regardes ou tes pieds ou ta tête? Regarder sous sa voiture, ouais. Ouais. Ah, et il y a des barres un peu comme les barres quand on met ses valises. Ouais, c'est ça, ouais. Avec des scotchs. Avec un scotch. Il y en a un, en fait, il y a une bande noire plus épaisse et c'est un bout de scotch. Oh putain. Bon bah, ne l'ayant jamais... Enfin, je sais que vous m'avez déjà parlé hein, de ce scotch, mais ne l'ayant jamais vu, je ne savais même pas où il fallait regarder. Ouais. Et honnêtement, le coup d'avant, j'ai eu un énorme coup de chance. Le Pérou, je ne savais pas du tout. Et t'as trouvé comment au radar? Je me pose la question, ça n'a pas eu la même info, en fait. Alors, en fait, j'ai avancé, et coup de bol, sur une affiche... Il y avait plein de trucs qui n'avaient aucun intérêt pour trouver le pays, parce que c'était de l'espagnol. Mais sur le côté, il y avait marqué Lima. Exactement, une histoire de affiche pour un événement, ouais. Un truc comme ça. Et il y avait marqué Lima, parce que j'avais épuisé mes deux tentatives. J'avais testé Venezuela-Bolivie, donc j'ai hésité à tester l'Équateur. Et j'ai vu Lima, donc Lima, je savais que c'était le Pérou. Le Pérou. Et j'ai eu trouvé exactement la même info, mais à quoi? À quelques secondes de la fin, quoi. Du coup... Angleterre, Pérou, Ghana. Ghana, j'ai pas trouvé, donc ça fait 3 points. Merci, merci d'avoir mis le point. Donc, du coup, c'est encore Serax. Hein. Ouais, Charivari, dommage. T'avais une voiture qui roule à droite. J'ai dégoûté. C'est ce que je disais à Calice. En fait, je l'ai vue dans un virage et du coup. Ah oui, elle était pas bien. Ouais, d'accord. Ouais. 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 Forcément. Ça induit en erreur. Donc, tout peut encore se jouer pour Alors là, partie. même pour Charivari. Ouais. Hein. Parce que on a 3 points d'écart. Enfin, d'ailleurs, je compte sur toi, Charivari, pour que t'élimines Oran ou Mimiche, que je puisse passer premier, quoi. Allez. La guerre va être fratricide. Allez, c'est guerre, parti. À tout de suite. Hop. Ah, faut peut-être que je vous mette le bon truc. Oh là là. Finlande, Suède, Norvège. Finlande ou Suède peut-être. Vu la tronche des arbres, mais ça peut être l'Europe du Sud aussi. Pas ligne jaune, hein. Il roule à droite. Mimiche, il a guess. Ouais. C'est pas ça. Finlande, ouais, il a pensé comme moi. Donc c'est peut-être la Suède. Hein. Ou alors c'est l'Europe de l'Est, mais... Je vois pas de panneau. Ah, là, un panneau. C'est quelle langue, ça? On voit pas bien. On voit pas bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. 70. Je vais aller trop vite. C'est pas l'Allemagne. Ah. Je vais tenter la Hongrie. C'est où la Hongrie? C'est pas la Hongrie. Slovaquie. C'est pas la Slovaquie. Slovénie. C'est pas la Slovénie. C'était la Latvia. Ah, il a trouvé.
T'as trouvé un calice? Hongdop, oui, je l'ai trouvé. Mais comment t'as fait? Comment pour t'as trouver fait? Alors, une intuition, parce que c'est pas la première fois que je me faisais avoir sur ce genre de décor où c'est beaucoup de campagne et quelques petits patelins avec une langue qui parle pas forcément. Et en fait, en allant un peu plus loin sur la route, je suis tombé sur un tout petit patelin du nom de Stolinier ou Stolinier, un truc comme ça. Et dans ce patelin, il y avait un petit panneau avec écrit Latvia, enfin Latvios, machin truc. Donc en gros, je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de chercher assez bien. Lettonie, je crois. Lettonie. Lettonie. Et bah, GG, parce que moi, j'ai. D'ailleurs, je mets deux, mais non, c'est un seul, pardon. Non, si, mais... si, t'as deux points. C'est moi qui viens de changer. T'as deux points, Calice. Oui. T'as deux points. Du coup, en fait, c'est bon, je... c'est littéralement un vol de victoire. On est trois premiers ex aequo. Ouais, bah, est-ce qu'on remarque un ouf. Mais et mon gok guess de tout début, c'était histoire de vous mettre un coup de pression. Ouais, mais j'aurais... Petit coup de stress, je me suis j'ai dit pensé Finlande-Suède. Hein. Moi, j'ai pensé Finlande-Suède aussi, en fait, au début. Parce que j'ai remarqué qu'en Finlande, il y avait beaucoup de boulot, ouais, en effet. Mais ouais, la route est... et les panneaux, ça collait pas. Ouais, bah après, j'étais vraiment... je me suis dit, bah, si j'ai faux, c'est pas grave. Bah oui, oui. Mais ouais, je suis arrivé dans le même petit bled que toi, Calice, mais... pas eu le temps de voir en fait. Non, moi je suis à Strotini en fait, donc j'ai dû prendre dans l'autre sens. Je suggère, étant donné qu'on a quand même ah oui, je vous mets les scores quand même, qu'on fasse un round 5 bis de départage. Bon, je sais plus comment on dit. Et salut Isabella, bienvenue et merci beaucoup à Cléa Sim ou Cléa Kim, je ne sais pas. J'irai voir pour le lien dont tu me parles pour mes cours, pour mes élèves. Merci beaucoup. Du coup, tu proposais qu'on refasse une partie, c'est ça, Calice? Un dernier round pour départager. Bah, faut relancer, en fait, c'est pour ça. Vous êtes... Il suffit juste de faire un round supplémentaire. Quoi. Oui, oui. Y a pas de... Après, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, ça me va. Moi, ça me va. Ok, mais tu participes, j'arrive à rien. Tu peux toujours gagner. Bah, déjà prête. Et bah c'est parti, alors on peut se muter. Et bah, ouais. The dernier round supplémentaire. C'est parti. À toute Isabelle. Ah bah là, Finlande, Suède, ça pourrait encore, hein, vu le paysage. Alors, non, on roule à droite. On roule à droite, derrière une super voiture. On a de la campagne, 9-3. Qu'est-ce que c'est que ces petits numéros? Pas d'idée. On arrive dans un bled qui est flouté. Ah, bah ça c'est peut-être la Hongrie. Ça me dit quelque chose, des panneaux comme ça. C'est pas la Hongrie. Crotte. Slovaquie, Slovénie, des trucs comme ça. Lol. Ça ressemble vraiment beaucoup. Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on avait avant. Alors. Slovaquie. Il y a des petits panneaux comme ça. C'est pas la Slovaquie. Slovénie. C'est pas les mêmes numéros. République tchèque. Non. Et bah GG, Charivari et Mimiche qu'on trouvait. Ah, c'était la Lituanie, putain, c'était pas loin. Ah là là. J'ai aucune idée de comment ils ont trouvé. Bah écoute, dégoûté, je ça ressemblait pas ma Ouais, moi non plus. Ça ressemblait beaucoup au pays d'avant, donc peut-être que c'est ça qui les a... qui les a aidés. Moi, je suis resté sur mes idées fausses que j'avais eues avant. Moi, j'étais en Finlande, Norvège ou Suède. Mais... Non, moi, c'était Hongrie, Slovaquie, Slovénie. Mmh. Et en plus, j'ai vu un petit panneau avec, tu sais, le numéro des routes, qui était un numéro blanc sur fond bleu rectangulaire, petit. Ouais. Et ça, c'est la façon dont sont codées les routes en Hongrie, Slovaquie et République tchèque. Donc j'ai testé ces trois-là.
Mais c'est aussi comme ça, j'imagine que ça l'est en Lituanie, donc... Bon. Je dirais bien Indonésie, là, mais purée, c'est... C'est un vrai labyrinthe. Exotique. Moi, j'arrive pas à sortir. Oui, exotique, mais ouais, labyrinthe. C'est un peu même l'enfer. Ah, ça y est, je suis sorti. Enfin, je suis sorti. C'est moins dense, mais je suis toujours sur un chemin. Ils vont pas trouver, à mon avis. J'ai aucune idée d'où ça peut être. Ah, j'arrive sur une route. Peut-être Afrique. Mais ouais, je sais pas. C'était quoi? C'était Ouganda. Ouganda. J'étais sur le bon continent, oh, mais... Ah, ils peuvent tenter un one-shot de... Ah, quoi que... Bah, attends, je suis dans le noir. Ah, ça y est. Moi, c'était tout noir. Alors, on est où? Ah non, j'allais dire un one-shot Singapour, mais non. Ah non, pas du tout. Non, c'est en Espagne, bah, ça. Je voyais les paniers, grandes routes. C'est en Espagne. En Espagne, n'importe quoi. En Amérique latine, je veux dire. Mais... Ouais. Ah, il y a un... Attends, sur le pays, il y a un poste de police. Il y a un drapeau. Guatemala, non? Ah non, Guayaquil, non, pas forcément. Ah, Guayaquil, t'as vu un Guayaquil? Oui. C'est Mexique, ça, non? On ah, est dans possible. La... Non, je sais pas. Guayaquil. Non, je me suis déjà fait avoir. Guayaquil, je crois que c'est Bolivie, Venezuela ou un truc comme ça. Faudrait que... Là, j'ai pas accès à la carte. Mais Guayaquil, bah ouais, j'ai déjà vu Guayaquil et je m'étais déjà fait avoir. Équateur, voilà. Équateur. Mais j'aurais trouvé parce que si j'avais vu Guayaquil, ça, je me suis déjà fait avoir par Guayaquil. Et ben GG à vous deux, bravo. Impossible Ouganda, là. Ah ben Ouganda, impossible en fait. Ah ouais. Carrément impossible. Dégoûté sur la Lituanie, j'ai trouvé zéro indice, zéro, rien. Ah ouais, moi j'avais juste le numéro de la route blanc sur fond bleu et ça pouvait être tellement de trucs. Je sais pas pourquoi en fait, moi en fait... Ça ressemblait à celui d'avant, non? Ouais, c'est ça, ça ressemblait à celui d'info d'avant et Akagis t'avais parlé des cigognes aussi une fois dans un live. Et t'as vu des cigognes? Oh, possible, j'avais déjà vu un nid de cigognes en fait, ouais. Bon, attends, ça peut être Alsace aussi, il y a des nids de cigognes. Ouais, mais j'ai pensé Pologne en me disant non, c'est pas la Pologne, et je vois pourquoi je fais Lituanie. Bon, bah du coup, ça change rien à mon score. Ouais, ouais, moi j'ai vu un numéro de route et du coup j'ai... En fait, je propose qu'on se rajoute sur le round 5, en fait. Ouais, c'est ça. Donc moi, ça fait 2 points, du coup, j'ai juste participé aux 2, en fait. J'ai rien trouvé. Ça fait 3 points. Bon, il y a encore de l'égalité du coup. 3... Non, non, attends. C'est Mimiche qui gagne. Ah non, maintenant c'est Mimiche. Non, non, Mimiche, qui gagne. Il a 3 points là, Mimiche. Donc ça lui fait 4. Donc Mimiche, il va gagner. Ouais, bah non, ça lui fait que 2. Bah non. Non, j'en ai trouvé. Il en a non, trouvé 3. Non, t'as trouvé 3, que là. La Lituanie. Ah non, pardon. Ah oui, ça fait que 2. Ça fait que 2. Exact. Donc ça. Ça nous fait. Non, non. Ben si, mais 2 plus le 1 que j'avais avant. Oui, donc oui, ça fait 3. Le 1 que t'avais. Ouais. Donc ça fait 3. Ah merde, donc on est toujours à égalité. Non, 14. Ah, t'as pas validé, je crois. Bah valide, alors, valide Mimiche, parce qu'on voit pas. Parce que... Oui, tu gagnes, Mimiche, c'est bien ce qui me semblait. Mais non, mais je... Bah, mais pourquoi ça valide pas? Bah chez moi, je suis validé. Hop, je le fais. Bon, c'est bon, là, c'est... Donc t'as 15 points, en fait. Oh. C'est bien ça. Attends. Non, non, non. Non, 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 j'avais fait 3. J'avais 1 au tour d'avant, plus 2, donc ça fait 3. Donc d'accord, ça fait 14. 14, donc tu gagnes. Voilà, tu gagnes. C'est ça. Voilà, GG. GG oh. Mimiche. Et belle remontada quand même de oui, ça très serré. Très très ouais. Serré. Hein. GG, GG. Bon, et bah passons au défi street art. Ouais, carrément. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc, ça peut être très dur comme très facile à voir. Ouais, sur le street art, on est d'accord que là on est sur au plus près en Europe. On est en plus près en Europe, exactement. Mais du coup, ça peut être tendu parce qu'en Europe, t'as vite fait quand même de t'éloigner. Et de perdre beaucoup de points. Donc, Par contre, il y a aussi le côté où on peut tomber en France. Et sachant qu'en France, on a quand même... Enfin, France, c'est pays Europe continental. Mais c'est surtout oui, que c'est des pays où on a une grosse culture du street art. Enfin, je sais que par exemple, dans les grandes villes, que ce soit Paris, ouais, même Paris, moi à Lyon, ouais. Il y a énormément d'œuvres de street art. Et si c'est du street art, ça veut dire que c'est en ville. Exactement, cher Ivar. Également. Je comprends à dire. Donc, beaucoup plus facile de trouver. Il y en a à la les campagne. Hein. Ouais, mais par exemple, même... moi j'ai pris des photos de street art sur l'aérotrain non loin d'Orléans, ouais. Mais c'est à la campagne. Hein. Oui, mais bon. Et à Orléans, on a l'artiste Le Chat
qui fait des chars un peu partout. Il s'est exporté dans d'autres villes. Et, mais chez nous, on a. Nous, sur char. Lyon, c'est le réparateur de voies en mosaïque. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un en fait qui s'amuse. Alors, je ne sais pas s'il est identifié ou pas. Oui, oui. Mais en fait, quand il y a des trous sur les trottoirs ou les passages où les gens passent très à joli. Pied, et ben il rebouche tous ces trous en faisant une petite mosaïque et c'est trop ouais, stylé. C'est très très. Et beau, il est lyonnais. Ouais. J'ai appris ça il y a pas longtemps parce qu'en fait, ils expliquaient, je crois que c'était sur internet ou dans un article qui était passé dans la presse, que avec le confinement, bah, il était bloqué quoi en France. Et merci pour le follow, Greta la patatas. Du coup, il. Quoi ? Cher Evary qui s'impatiente pour avoir le lien. Ouais. Je me suis non, mais je cherchais dans le doc et je le voyais pas alors. Tu t'es fail là, je crois. Oui, lien. Parce que moi, il dit qu'il est pas content. Il dit qu'il voit pas le rapport. On se met en combien de temps ? Je suis parti en 6 minutes. Ok, oh, c'est bien. Très bien. Alors là, ça a l'air d'être mieux. Ouais. Ah oui. J'espère juste que ça me donne parce que ouais, j'avais. Street Art in Europe. Ouais, in Europe. Bon. D'accord, ok. C'est bon. Donc, du coup, là, on compte 1, 2, 3 et puis on appuie sur Start. C'est bien, ça. C'est bien ça. Et on se mute avant ou après le 3. Ou... Exactement. Et bah, bon courage à tous. Let's go. Et à tout à l'heure. Bon courage. 1, 0, mutation. C'est parti, mon kiki. Alors, ça fait très Espagne ou Barcelone. Alors, on va voir où nous sommes. Agence commerciale Correos, ok. Ah, ça, c'est Barcelone, je crois. Je crois que c'est Barcelone. Barcelona. Bon, on est à Barcelone, ok. Donc déjà, c'est bon. J'avais repéré avec le taxi. Alors maintenant, il faut qu'on trouve dans quel calier. Ah, c'est flouté, c'est pas terrible. Là. Carré. Ah oui, c'est pas des caliers à Barcelone. Ah purée, on va pas voir la rue quoi. Ah purée. Oh. Florida Blanca. C'est flouté, purée. Ah. Comté d'Urgel. Alors, carrière des comtés d'Urgel. Où est-ce que ça va être? Oh, ça va pas être facile, quand même. On a du temps. Mais pas tant que ça. Alors, on va avancer tout droit. Jusqu'à ce qu'on voit si on trouve une place un peu plus grande. Ou, voilà. Un boulevard un peu. Ou, ah, du métro. Ah. Urgel. M. Hop. Urgel. Attendez, mais il y a bien du métro là quand même, ça c'est bien du métro. C'est quoi ça ? Du métro M. Alors. Ok, donc là il y a une autre ligne de métro. Tarragona.
Il reste 2 minutes. Ah oui, c'est vrai que on peut agrandir. Urgelle. Ne dites pas qu'on va pas trouver. Je pense qu'on est en plein centre-ville. Réceps. Bonne soirée, Yukino. Oh purée. Je me suis trop éloigné de Barcelone, c'est pas possible. Urgel, purée. Eh ben, c'était en plein centre, quoi. Alors après, on était à la calier des... Là, non. Comte d'Urgel. Comte Bourrel. Alors, on va revenir. Il nous reste 40 secondes. Ça, c'est quel calier, ça? Carrère des Florida Blanca. Carrère. Arago. Verde Valencia. Mallorca. Valencia. Je suis pas parti dans le bon sens. À partir du gel. Florida Blanca. Ouf, 14 mètres. Ouh, sur le gong. J'ai eu le temps de voir ça, Oran, sur le retour de live. Je me suis permis de regarder que j'avais guess. Donc, ouais, voilà, ouais. J'ai vraiment sur le gong, quoi. J'ai eu, en fait, j'avais la station de métro. J'ai mis très longtemps à la trouver. Ah oui, d'accord. Alors comment, mais en fait... San Antoni, c'était écrit tellement gros que je l'ai jamais vu. Alors moi j'étais à Urgel, j'étais à la station j'ai métro même pas Urgel. Choqué comme indice. En fait j'ai, alors comme quoi les voyages forment la jeunesse, parce que j'ai été en voyage scolaire à Barcelone. J'y ai passé une semaine, peut-être un truc comme ça, et donc... j'ai même pas le temps de regarder l'œuvre de street art. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Elle était belle, bah moi du coup j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai regardé au début. Et bah pas moi, je me suis dit je regarderai à la fin, et j'ai pas eu le temps. Et donc... Et en fait, j'ai aperçu au moins une antenne, un gros antenne relais en fait à me balader. D'accord. Et donc je savais que c'était Montjuïc, qui est une montagne en fait, qui est une espèce de colline. Ouais. Vraiment à côté de Barcelone, enfin dans Barcelone. Donc ça m'a servi de point de repère en fait. Après, pour vous avez su comment c'était à Barcelone ? Oui, il y avait le bus juste à côté. D'accord. Il y avait écrit un peu partout Barcelona. Oui. Ça, moi, c'est les taxis jaune et noir. J'ai vu Barcelone tout de suite après, mais premier indice, bon, j'ai vu que c'était écrit, ça faisait penser à l'Espagne, mais j'ai vu le taxi jaune et noir, ça m'a fait penser à Barcelone. Et puis, ça me saoule, j'avais trouvé un énorme bâtiment qui avait l'air d'être un centre commercial. Ah, il est là, Mercat de San Antoni. C'est marché, en fait, moi, c'est lui qui m'a permis de savoir dans quelle carte il était. Ah, d'accord. Et je l'ai trouvé, mais j'ai pas su le trouver sur la carte. Non, mais je sais pas comment, j'ai pas pu voir San Antoni. San Antoni. Ah, maintenant que le point est dessus, ouais, c'est mieux. Bah, moi, j'ai vu la station Urgel, mais j'ai eu un mal de chien à la trouver, quoi. Oh trop. J'ai eu de la chance, hein, parce qu'après, pour trouver l'intersection, ça s'est joué sur le gong. En marchant en point de repère, c'était vachement plus simple parce qu'on était à un pâté de maison, tu vois. Ouais, mais j'ai pas vu. Bon, enfin bon, 5000 points, vous êtes pas loin, hein, donc tout est.
On est dans un mouchoir de poche. D'ailleurs, je sais pas, Mimi, t'as pas validé. J'ai pas marqué mes scores, tout simplement. Bon, bah, du coup, tu auras 0 et puis c'est tout. Écoute, hein. Bon, et bah, GG, on est parti pour le deuxième. Exactement. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 0. Hop, allez, c'est parti, mon Kikei. Ça s'est joué à 3 mètres. Bon, c'est très joli. Oh là là. Quel pays on est? Non, ça c'est un truc de voyage, faut pacifier. Tatrabanka. Banka. Danta. Il y en a des SK, donc on est en Slovaquie. On est en Slovaquie. Est-ce qu'on est à Bratislava? Ça va être la question. Alors là, il y a. Ah non, on est coincé. Ah voilà, on va se mettre sur la route. C'est quoi ce bâtiment? J'aimerais lire ce qui est écrit dessus, s'il vous plaît. Oh! J'arrive pas à lire. Bizarre cette oreille. Je connais pas du tout Bratislava. Ça me paraît grand quand même. Pour être une petite ville de campagne. Alors, quartier un peu moderne. Pas très loin. Là, il y a des panneaux. Alors. Budapest, Centrum. Budapest, SK. Ouais. Ouais, on serait pas très très loin, Centrum. On serait pas très très loin. Quoi ça? Il nous reste 2 minutes 37. Il y a un tram. Non, c'est pas un tram, c'est un trolley. Alors, est-ce que j'arriverai à trouver. Je m'éloigne un peu trop là, je pense. Ça va pas trop m'aider. 6 mètres, oh bah GG, moi j'y suis pas à 6 mètres. Hein. J'y suis pas à 6 mètres. Ah mais c'est quoi ça? Ça serait pas la gare? Ah, là il y a un tram. Donc on est à côté d'un tram. Il ne reste plus qu'une minute. Hein. Alors, KMNM, un tram. Où est-ce qu'il y a un tram?
Ah, une minute. Centrum, on n'était pas trop loin du Centrum. Hein. Centrum. Plus loin. Il est où ce tram? Je l'ai perdu. J'espère qu'on n'est pas au sud. Hein. Bon, 300, ça va. Et bon, coup de bol. Coup de bol pour moi. Ah. Je suis à 300 mètres, donc. Ouais. Ça va. Par contre, il est juste, il est indiqué sur la carte. Hein. De quoi? Magnifique d'ailleurs. De quoi? Le street art. The Fox. The Fox, indiqué sur la carte. Je le vois pas. Il y avait un point, The Fox. En fait, t'as un appareil photo. Ah oui, dans les... oh, toi, faut super zoomer, ouais, effectivement. Ouais. Oui, il faut bien zoomer. Mais j'ai pas trouvé la station de. En le fait, tram. Ouais, la base, je l'ai fait au feeling. Et après, ça s'est joué au coup de chance, en vrai, pour moi, pour le faire aussi rapidement. Parce que j'ai guess, hein, j'ai pas attendu tout le temps. C'est qu'en gros, genre... Enfin, j'avais trouvé au début... c'était la Slovaquie. Parce qu'il y avait des points SK partout, ça, c'était pas le souci. Ouais. Après, je me suis dit, où ça peut être en Slovaquie? Réflexe, j'ai dit, ça va être la capitale, on va aller à Bratislava. Oui. Je me balade un peu dans le quartier et je vois un bâtiment qui avait l'air important plutôt, parce qu'il y avait le drapeau de la Slovaquie, qui avait l'air plutôt important, qui s'appelait, je vais essayer de retrouver le nom, Generalna Procuratura, donc en gros le tribunal général. Et du coup, je dis, bah, il faut que je trouve ce bâtiment, et en zoomant un peu dans Bratislava, je tombe dessus. Et en regardant un petit peu plus loin, je vois le Lidl que j'avais repéré en passant sur la route. Et du coup, en zoomant sur Lidl, je vois The Fox. Du coup, je dis, bon, bah, c'est bon, je sais où je suis. Alors, en fait, c'est Lidl qui m'a permis de savoir exactement où on était, tu vois. D'accord. Ouais, bah, moi, j'aurais pu chercher longtemps parce que j'ai l'impression que sur la carte, il n'y a pas le nom de la station de métro, de tram, en fait. Donc, j'aurais ouais, en pu fait, la moi, chercher moi, longtemps. Moi, en fait, je l'ai fait un peu. Enfin, Bratislava, je l'avais aussi. Et après, en fait, je me suis repéré au nom, en fait, mais... de bâtiment... Ouais, enfin, c'est ça, bâtiment historique, etc., en fait. Alors que moi, j'ai jamais vu qu'on était à Bratislava. Du coup, j'ai passé longtemps à chercher dans quelle ville on était. Et c'est à la fin où je me suis dit, bon, allez, tant pis, je me mets à Bratislava. Puis après, j'ai zoomé un peu, puis j'ai vu des noms que je reconnaissais. Je fais, OK. Ah oui, donc t'as eu un coup de chance, quand même. Bah ouais, mais du coup... Moi, j'ai pensé à Bratislava et je me suis éloigné pas mal. J'ai vu des panneaux indiquant Budapest. Et donc, je savais hein, qu'on était en Slovaquie, donc on pouvait pas être à Budapest. Mais je me suis dit, oh, on doit être à Bratislava parce que c'est la grosse ville pas très loin de Budapest en Slovaquie, quoi. Mm. Donc, c'était trop grand pour être une petite ville, quoi. Il y avait des grands immeubles et tout, ça pouvait pas ne pas être une capitale, quoi. Mais j'ai dû aller du mauvais côté et j'aurais bien aimé trouver la rivière, le Danube. Ça m'aurait bien aidé... situé oui, un sûr. Peu plus, tu vois. Mais j'ai pas trouvé. Mmh. Moi, je vais juste ouvrir quartier, mon chat. Je re dans 10 minutes. Même pas. Oh là là. Bon, est-ce qu'on va continuer les 5000? Ah, bon, on va voir. Qu'est-ce que... T'es à combien de mètres au fait, Akira? Je t'ai pas demandé. 6 mètres. Ah, 7. Donc GG. Bah, je me suis calé par rapport à la pharmacie. Mais je l'ai pas vu, en fait, moi, sur la map, au final. Et il faut zoomer à blind, c'est les carènes du Nashka. Et en fait, on est plus en face du site zamenej.sk, là, pas loin du truc de voyage. En fait, la pharmacie est même pas... Elle est même pas indiquée comme pharmacie, tu vois, sur... Oui, il y a des petits trucs qui manquent. Bon, ouais, il n'y a pas de... Moi, je m'attendais à une croix rouge, tu vois, quoi. Un truc bête, mais... Bon. Je pense qu'en fait, c'est un... Ça doit être un truc d'apothicaire, tu sais, les trucs pour écraser, là. Une icône, en fait.
ce qui aura de bien. Oui, les possible, mortiers, ouais. Pilon et mortier. Merci. Je suis genre trop épineux. Ah, moi, je fais ça grâce à Morrowind parce que c'était l'outil pour le métier d'apothicaire. Donc, ah. Allez. Ready. Ready. 3, 2, 1, 12. C'est parti. Alors, oh, c'est un joli petit chat. UA, c'est où ça? UA. 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 Un peu dans quel pays ça? UA. Ça me dit rien du tout, UA. Kazakhstan. KH. .kh.ua KH Ukraine UA on n'est pas aidé là avec ça. .kh Ah, c'est le drapeau ukrainien, ça. C'est grand, l'Ukraine. KH. Ouais, ça pourrait être à Kiev. Ça pourrait être à Odessa. Je pense que c'est le drapeau ukrainien. Est-ce qu'on est à Kiev? Ah, il y a un métro. Ah, il y a un métro. Ah, donc s'il y a un métro. Ouais, c'est le même symbole. Alors, il est pas rouge, mais. Et donc, c'est quelle station? On va vérifier à Odessa s'il n'y a pas un métro, mais. Il n'y a pas le nom de la station. T'es sérieux? Ah si, peut-être juste à la voie 2, c'est la ligne 2, super. Alors, est-ce qu'il y a, on va vérifier quand même par acquis de conscience, si genre à Odessa, il n'y a pas un métro pareil, mais rouge, non, il y a l'air d'avoir un tram, il n'y a pas l'air d'avoir de métro, donc a priori, on serait bien à Kiev, après comme Donetsk peut-être. Une grosse ville Donetsk. Il y a un tram. Il y a un tram, mais il n'y a pas l'air d'avoir de métro. Luhansk, je pense pas. Kharkov. Kharkiv. Ah non, on est à Kharkiv, regardez, il est rouge. Oh putain. Oh là là. Vous êtes sérieux? Et regardez, on est là. C'est cette station-là qu'on a réussi à trouver. Vous verrez bien par là. Ah putain. Oh, le coup de bol. Le coup de bol. Alors, maintenant faut qu'on trouve. Là il y a un canon. Tattoo shop. Alors, voyons voir. On a une intersection.
est bien là. Bah, je pense que je suis pas mal. Hein. Je pense que j'ai bien réussi à retrouver. Parce que j'avais fait ça en fait en me baladant. Donc je pense que je suis bien sur la bonne route. Là on a le pont. Donc que j'essaie de trouver l'endroit le plus proche. Drag zone. Je sais pas si ça correspond. Là. On est pile en face du bâtiment. Moi, je vais rester là. Je pense qu'on est, on est pas mal. Je vais guess. Il reste 13 secondes. Ouh. Mais je pense que je suis pas mal. Un mètre. Pas du tout. Aïe. 625 points. Oui monsieur, 625 points. Et t'es où? Je suis à Tsibili, j'en avais aucune info. À Tsibili, c'est où ça? J'ai pas reconnu en fait, la seule info que j'avais c'était au drapeau du pays, j'arrivais pas à retrouver ce que c'était. Aïe. En fait, je me suis fait bait sur un site internet, c'était un... UA ? Je sais plus. Ouais. Ouais, mais en fait, c'était pas le UA qui comptait, c'était le KH avant. Ouais, mais j'arrivais pas à... Et le KH, c'était l'Ukraine. Ouais, bah ouais, non, mais je... Moi, je suis à 1 mètre. Dans la bonne grande ville. Quoi ? À 1 mètre ? Je suis à 1 mètre. GG. Alors, en fait... Il y a Kilt aussi, enfin, Kiev, plutôt, Charivari. Oui, je crois que c'est ça. Alors, je vais vous donner le bel indice que j'ai trouvé. C'est qu'en fait, en me baladant, bon, j'ai pensé vite à l'Ukraine. Du coup, je suis allé à Kiev. Et en fait, en me baladant dans la ville, j'ai eu du bol. Hein. Je suis tombé sur une station de métro. Symbole de la station de métro, un M. Mais un M rouge. Or, à Kiev, les M sont bleus. Donc j'ai, bah si tu zoomes en fait, j'ai zoomé et j'ai vu que les M étaient bleus. Donc je me suis dit, je vais regarder les autres grandes villes d'Ukraine pour voir s'il n'y a pas des M rouges. Donc j'ai regardé Odessa, j'ai regardé Donetsk et après je suis allé à, je crois que c'est en français, c'est Kharkov. Mais oui, les M ils ont différentes couleurs. Et du coup j'ai vu M rouge. Donc du coup je me suis dit c'est là. Et là, un peu comme toi tout à l'heure à Calis, gros coup de bol. En zoomant, en fait, j'avais trouvé le nom de la station de métro, en alphabet cyrillique. Hein. Mais en fait, les stations de métro, là, si tu dézoomes, on les voit assez bien et elles ont des noms à rallonge. Et finalement, bah, grâce à un nom à rallonge, finalement, c'est assez facile de faire la différence entre les noms. Et donc, j'ai trouvé la station de métro. Ouais. Et comme je me souvenais assez bien du chemin que j'avais fait pour arriver à la station de métro, bah, j'ai fait le chemin à l'envers. J'ai trouvé tout de suite la rue où j'étais. J'ai eu juste à vérifier l'orthographe et heureusement, c'est pas trop compliqué. J'ai confirmé la rue et voilà. J'étais à côté d'un pont, donc j'ai eu du bol. Mais j'étais large en plus en termes de temps, donc j'ai bien pu vérifier. Je pense que du coup, Oran, tu nous fais la distanciation qui va t'amener la victoire ce soir. Oh oui. Mais là, je suis assez content du 5000, là, j'avoue. Ah bah là... Ah non, mais moi je suis passé de... Je suis passé de 10 000 à 10 000 en fait. Merde. Ouais, en fait c'est comme si le round j'avais marqué 0 quoi. Et 625 c'est comme si ça vaut 0 quoi. Mais ouais... Autant les deux premiers, j'ai c'est regardé et j'étais hein, « Waouh, c'est beau !» et tout, autant là. Ouais, non, mais en fait, c'est drapeau, par contre, quoi. Mais n'hésitez drapeau, pas... En fait, j'avais un drapeau quoi, c'est ça qui m'a énervé en fait. Quoi. Oui, donc, le drapeau, je vous invite ouais, à aller voir sur Discord, j'ai fait une petite capture d'écran, parce que j'en ai croisé un autre de street art en me promenant. Alors bien sûr, Mako est en PLS, donc du coup ça va mettre 30 ans. Et je dois robotiser d'ailleurs. Un petit peu. Non moi je vois toujours le Japon. J'ai trouvé un potichat, c'est en train de s'upload. J'ai trouvé un potichat en street art.
C'est magnifique. On dirait vraiment que c'est une photo qui a été collée au mur. Toujours pas. Non. Oui, oui, c'est long à arriver. Bon, en tout cas... Sinon, ça va, vous ? Bah, moi, je suis content parce que j'ai vraiment la... Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être nul à chier sur les pays de l'Est, surtout quand c'est en alphabet cyrillique. Ouais. Et là, le coup du métro, ça m'a sauvé la vie. Ah, c'est un enfer, moi, ça me fait peur. Quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit « Oh là, je vais me prendre une tôle. » Ouais, c'est pas une tôle tenue, mais c'est quand même une bonne tôle. Je savais que je faisais pas 5 minutes, c'était à peu près sûr, mais de là à prendre une tôle comme ça, non. Quoi. Et bonsoir, Mister Guimauve, qui arrive dans un bruit retentissant en écho du resub des 4 mois. GG à toi, Mister Guimauve, et merci beaucoup. Merci énormément pour le soutien. C'est très gentil. Pendant qu'Akalis, je sais pas si ça a chargé. Non, toujours pas. Ça charge. C'est dans GeoGuessr que tu mets ça. Ouais, dans le public, hein, du coup. Mm-hmm. Je partage à tout le monde. On est bientôt sur la fin. On dépasse les 3/4. Oh, c'est la dernière ligne droite. Tu peux le faire, petite connexion. Je suis comme ça. Vivement la fibre. Merci Artagam pour le follow. Ouais, je crois qu'en français, c'est Kharkov, la ville. Kharkiv, Kharkov. Je crois que c'est Kharkov. Normalement, ça devrait être bon, là, d'ici 2 petites secondes. Let's go. Mais a priori, c'est la troisième ville. Ah. Troisième ville, je pense, du pays, parce que... Sur le portail. Il est si bien fait. Je pense que c'est un collage. Non. Je vois rien, attends. Hop, on va zoomer. Ah, quoi que non. Ah, il est ah sympa. Ouais, honnêtement... Il est joli. Il est si bien fait, c'est impressionnant. Joli. Joli, joli. Hop, alors attendez, par contre... Du coup, voilà. Hop. C'est, je tombe là-dessus et j'étais en mode... Oh, c'est trop mignon. Et du coup, t'as perdu. Voilà. Non, parce que je suis pas resté longtemps dessus. Allez, je vous propose qu'on fasse la suite. Oui, on se ronde. C'est parti. 3... 2, 1, go! Hop, next round. Alors. Alors, on est au UK. On est au UK. Est-ce qu'on est à Londres? C'est pas sûr, hein. Ça peut être vachement autre chose. Mais en tout cas, on est en Angleterre. Ça faisait un peu écossais le car. Ça, ça fait un peu les couleurs de l'Écosse. Il y a plein de street art là-bas. Alors, où sommes-nous? Oui, on n'est pas à Londres. On n'est pas du tout à Londres, parce qu'il y a des montagnes au loin. Putain, mais... Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Voilà, je voudrais voir les panneaux ici. The West, the South, ok. Translink Metro... Putain, ils vont pas nous mettre une... M1 à 12. City Center. Là, il y a écrit quoi? City Center, York Street. Ça me dit rien. The North, M22. On n'est pas loin de la M1, hein, donc... Ah, il y avait un panneau un peu plus intéressant, là. Merde. Mais non, il était où? West, South. Ah, et là. M1, M2. Bon. C'est où la M1 et la M2? Là, il y a la M1. On est peut-être à Leeds. M1. Je vois pas la M2. Castle Court. Putain, on va pas perdre. M1, M2. A12. A1. Là, il y a la A1,
c'est pas ça. C'est à 12, je me mélange. Ah, ça me tue ça. Castle Court. Ça me tue de perdre autant de temps sur les. Il est joli celui-là, dis donc. C'est joli. Glider. Je sais pas où c'est. Dublin. On est en Écosse. On est en Écosse, on est en Irlande. M1, M2, on est à Belfast. Putain, on est à Belfast. À 12. On est peut-être à Belfast. Ah. Ah, on est à Dublin. À 12. M1. M11. Elle est où la M2? Non, 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 on doit être par là. Ah putain. T'es sérieux, les docks, quoi. Il nous reste 2 minutes. C'est certain, Clift. Ok, bon. Bon, bon, bon. J'y suis allé à Belfast. J'y suis allé à Belfast. Belfast, putain, c'était écrit juste là. On a la confirmation. Donc maintenant... Royal Avenue. On n'est pas loin des docks. Les docks, c'est au nord de la ville. Royal Mail. Royal Avenue. Tu racontes, grande gueule. À 12, elle est là. Saint George Market, Oxford Street. Elle est où la Royal Avenue? Royal Avenue. Ok. Donc là on a l'intersection de la Royal Avenue et de quoi d'autre? Bank of Ireland. North Street. Oh non! Oh! J'ai vu Belfast! Oh je suis frustré! Irlande du Nord, bordel de cul, pas Royaume-Uni. Bah si, c'est Belfast et Royaume-Uni, mais... Oui, mais du coup, Irlande du Nord, pas Royaume-Uni en tant que tel, c'est ce que je voulais dire. Je suis frustré comme pas possible. Alors moi, j'ai visité Belfast, alors je suis frustré parce que j'ai pas trouvé rapidement que c'était à Belfast, mais bon. Par contre, vraiment, les Anglais, ils ont un sens de l'orientation, faut qu'ils m'expliquent. Bah du coup, en allant vers l'ouest, vous allez vers l'ouest. Et en allant vers le sud, bah vous allez vers le sud. Merci les gars, mais si vous nous donnez un nom de ville, ça serait quand même vachement mieux. Oh, c'était écrit, c'était écrit plein de fois quand même. J'ai pas trop, enfin j'ai vu Belfast, mais j'ai vu que je situais pas où c'était. Moi souvent pour me repérer, que ce soit en France ou à l'étranger, je prends la ville où on est et des directions de ville pour savoir où le situer. Ouais, là du coup j'en trouvais mais... pas. Bah là en fait. On va diriger vers Belfast, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et puis, en fait, une fois que tu savais que t'étais à Belfast, c'était... Enfin... Ouais, je suis un peu frustré. J'ai mis trop de temps à trouver que c'était Belfast. Parce qu'en fait, j'ai pas vu tout de suite le nom Belfast. Et du j'ai mis un peu... En fait, je suis parti un peu plus loin. Et j'ai trouvé des directions nord-sud, donc ça m'aidait pas trop. Après, j'ai vu M1, M2. Et le problème, c'est que en Angleterre, il y a aussi des M1 et M2.
Et du coup, ça m'a un peu. J'ai un peu perdu de temps à chercher alors, l'intersection non, de la M1 et de la M2. J'avais vu pareil, mais avec la M1 à 12. Ouais. Pareil. Et du coup, je me suis mis plus vers le sud, alors qu'à la base, j'étais quasiment sur le pont. Alors que moi, en fait, je suis resté dans Belfast, en fait. J'ai fait Belfast, et après, j'ai vu la cathédrale Sainte-Anne, donc j'ai réussi à la trouver. Par contre, où j'arrivais pas à me situer, et c'est là où je suis un peu frustré. J'ai manqué de quelques minutes. Oui, moi aussi, minute, ouais. On va dire, pour arriver vraiment à pinguer, revenir où c'est j'étais ça. Précisément. T'as fini à combien, Mimiche? Ouais, je suis à 4996, donc ouais. Ça va. Moi, je suis à 4998, je suis sur la Royal Avenue, ouais. Donc je suis pas très loin, mais pareil, il m'a manqué une minute juste pour trouver la bonne route. Encore une minute, même pour 30 secondes, je pense. Tu vois. Moi, une bonne minute par parce contre, que j'avais pas l'intersection, là, c'était flouté sur la photo où j'étais. À l'endroit où j'étais, le nom de la rue était flouté. Moi, non, ouais, 30 secondes, ça aurait peut-être suffi. Enfin bon, bon par contre, là où j'ai bien rigolé, c'est que du coup, parce que moi je me suis plus mis vers Londres, et en cherchant un endroit un peu plus précis, j'ai vu le nom d'un parc qui m'a fait beaucoup rire, c'est le Barking Park. Alors je sais pas si vous savez ce que ça veut dire Barking en anglais. Non, tu vas me... Alors j'ai dû le savoir, mais tu vas me voir après. C'est aboyer, mais genre le chien qui barque, du coup, c'est genre le petit caniche un peu hargneux qui arrête pas d'aboyer. Un peu. Du coup, ça fait vraiment genre le parc où tu laisses aboyer ton chien, quoi. Donc j'ai trouvé le nom très drôle. Très pratico-pratique. Et coucou Force. Salut Force. Coucou Force. Bon, en tout cas, Belfast, c'est très particulier à visiter. Parce que t'as tout le quartier qui est ici là le long de Falls Road qui est un quartier où t'as plein de street art, mais alors du street art engagé hein, et t'as vraiment les unionistes contre les républicains, voilà, c'est catholique, voilà, t'as Body Sounds Mural là, qui est juste là. Moi j'ai visité tous ces coins là et quand j'y suis allé, ils avaient refermé les portes qui sont d'habitude ouvertes entre les quartiers protestants et les quartiers catholiques, ça faisait une ambiance vraiment très 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 particulière. Ah ouais. Et pourtant on était en 2016, donc il n'y avait pas de tension particulière, mais la veille j'avais assisté dans le centre-ville de Belfast, pas très loin du Botanic Park là, donc je pense que c'est par là, le Crescent Garden, je sais plus si c'est ça, Botanic qui a marqué. Enfin bref, pas très loin du parc botanique, j'avais assisté à un défilé. C'était pas un défilé militaire, mais c'était une fanfare avec des majorettes, avec des machins comme ça. Et en fait, c'était sur un pas et une cadence militaire. T'avais des gens avec des drapeaux britanniques, donc du Royaume-Uni, partout. Et en fait, dans Belfast, pour savoir si t'es dans un quartier britannique ou un quartier... enfin, britannique. Un quartier unioniste ou un quartier républicain, il suffit de regarder les trottoirs. Et si t'es dans des bords trottoirs où c'est en bleu, blanc, rouge... c'est que t'es dans un coin unioniste. Ah oui. Et c'est très 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 particulier comme ambiance. Okay. Du coup, je suis très content. Bah voilà, Botanic Garden. Donc c'était par ici, là. C'était peut-être là sur la University Road. Et c'était très particulier à voir. C'était pas très très à l'aise. On n'a jamais été en danger, quoi que ce soit. Mais tu sentais bien qu'il y avait des tensions. Et alors, maintenant qu'il y a le Brexit, là, les tensions, elles sont reparties de plus belle. Notamment sur les docks, il y a eu des dockers qui ont été menacés parce qu'ils doivent appliquer maintenant des règles, des inspections au niveau des douanes et tout, puisque, voilà, à cause du Brexit. Bref. Oh la vache. Ouais, c'est chaud. C'est chaud en ce moment. Donc, en fait, je suis pas sûr que, tu vois, allé tranquille, je suis pas sûr que là, on y retournerait tranquille, quoi. Même si, on sentait les tensions. Et pour revenir sur le jeu, moi j'avouerais que ma première pensée, j'ai pensé à Manchester, oui. Liverpool en fait. Ouais, tout à fait, moi aussi, pareil. J'étais plus dans le nord de l'Angleterre, exactement. Et quand j'ai vu Belfast, je me suis fait « Ah ouais, en effet, ça peut aussi ». Ouais. Et par contre, truc très sympa à Belfast, puisque c'est juste à côté de l'endroit où on était dans Geoguessr, c'est le musée Titanic. Et en fait, c'est ici qu'a été construit le Titanic. Et donc, très récemment, ils ont réaménagé les quais où étaient autrefois les chantiers navals, puisqu'il n'y a plus de chantiers actifs de construction à cet endroit-là. Mais donc, du coup, tu vois au sol l'endroit où il a été construit, et t'as un super musée très moderne qui fait un peu limite,
ils aiment beaucoup ça, les Anglais. T'es à la limite entre le musée et l'attraction. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment où, dans le musée, t'es sur un petit wagonnet et puis tu es dans une reconstitution du chantier du Titanic et tu vois des mannequins animés qui tapent, qui soudent, qui font les tôles, quoi. Et toi, t'es dans ton petit truc, tu te balades. C'est très dynamique comme visite. Ça fait vraiment petit parc d'attractions, même si le but est instructif et de te montrer le Titanic, quoi. Donc ils ont beaucoup axé leur tourisme à l'époque où on y était allé, parce que c'était très récent, sur la construction du Titanic. Et c'est vraiment juste à droite de l'endroit où on est, au nord, nord-ouest, là. Et a priori, nord-est, il y a un autre bateau à visiter juste à côté, non? Je vois qu'il y a un SS nomadique dans Ça me dit rien, je me souviens plus. Par contre, juste à côté, t'as aussi The Iron Throne, Glass of Thrones. Et là, en Irlande, et Irlande du Nord particulièrement, ils ont plein de lieux de tournage aussi de Game of Thrones. Donc, ils jouaient là-dessus aussi. Pas quand on y est allé. On devrait relancer parce qu'il est déjà pas loin de 23h, mine de rien. Comment ça, je ne peux. Bah oui, oui. Comment ça, je ne peux pas. Mais c'était intéressant. Parler. C'est vrai. J'y suis allé, alors, en fait, c'est des souvenirs. Allez, on passe au suivant. Yep, let's go. Let's go. 3, 2, 1, go. Hop. Ouh, très joli. Très, très joli. Très joli. On serait peut-être à Berlin. Ça fait penser à Kennedy. Kennedy, donc peut-être mur de Berlin. Peut-être. On dirait. Ah, ou alors. Non. Place de la Liberté, c'est écrit en français. Donc ça n'a peut-être rien à voir. On est peut-être en France. Je dis peut-être une grosse connerie. J'avais l'impression que c'était écrit. Café cinéma. Time to dance. Oh non, me dis pas qu'on est coincé. Oh non, on a que ça comme indice pour trouver. Oh. Mais non. Là, on dirait Anne Frank. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Alors, est-ce que... Mais c'est pas la maison d'Anne Frank, ça. Alors, est-ce qu'on est à Amsterdam? Ça expliquerait les vélos. Mais moi, je suis allé voir la maison d'Anne Frank, c'était pas comme ça. On peut pas... On peut pas, hein. Oh là là. Alors, c'est quand même pas la maison d'Anne Frank, ça. Bon, je vais tenter Amsterdam. Je vais me mettre pas loin de la maison d'Anne Frank. Donc de mémoire, la maison d'Anne Frank... Elle est là. Mais... Alors, est-ce qu'il y a... Ça me dit rien du street art par là. Ça ressemble pas. Il y a d'autres indices. J'arrive pas à lire ce qui est écrit. Il y a des voitures là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là sur ce... On peut lire ça là. Shop, stock shop.
Exhibition Gallery Neuro Titan. Là, c'est une galerie en fait, mais est-ce que c'est. Là, il y a une galerie. Café cinéma. Il reste 2 minutes, hein. J'en profite, je regarde, mais comme on peut pas sortir. Je pense que c'est Amsterdam, mais. Mais on peut être très loin quand même, hein. C'est grand Amsterdam. Hein. Moi aussi j'ai les 5K, mais j'aurais pas les 5K là parce que je sais pas du tout où on est. J'aime. Après, est-ce qu'on serait pas plutôt un quartier rouge par là? Ou par là, là? Red Light Street. Musée érotique. Coffee shop. Il reste 7 secondes. Est-ce que je me décale un peu? Allez, je me décale un peu par là. Mais si c'était à côté d'Anne Frank, je l'aurais mauvaise. Pas du tout, c'était bien à Berlin. Putain. Et GG Mimiche. C'était bien à Berlin. Donc j'ai complètement raté. GG Mimiche. Ah, je sais pas. Ouh, le niveau de celui-ci. Ah, mais bah, j'y étais pas du tout. J'ai failli vous proposer de laisser tomber parce qu'on était coincé en fait. Non, mais c'était prévu et c'était pas improbable. Ah oui, Oran, t'es parti loin. Oui, oui. En fait, alors, moi j'étais parti à Berlin au début parce que j'ai vu Kennedy. J'ai tout de suite pensé au mur de Berlin, Ich bin ein Berliner, tout ça, tout ça. Et après, j'ai vu qu'il y avait un truc sur Anne Frank. Et du coup, j'ai tout de suite. Enfin, ça m'a fait changer d'avis, je suis parti à Amsterdam. Mais ne pouvons pas sortir, voilà. Comme j'avais pas d'infos qu'Anne Frank était Amsterdam. Non, mais... il y avait tellement de langues que je me suis dit, la Suisse, c'est pas mal. Et ben justement, moi, c'est ce qui m'a aidé à rester à Berlin, parce que, en fait, sur mes cours, enfin, quand j'avais des cours d'allemand, parce que j'ai fait allemand au lycée et au collège, on a eu beaucoup de cours sur Berlin, et Berlin, c'est une des villes au monde où il y a le plus de mélange de cultures, c'est vraiment limite explosif, quoi. Parce qu'il y a de l'anglais, du français, de l'allemand, de tout mélangé. Et d'ailleurs, c'est ce qui en fait la beauté de cette ville. Moi, c'est une ville que je veux vraiment aller visiter. J'ai pas eu l'occasion. Mais j'ai jamais eu de cours de culture d'allemand. Ah bah, il faut avoir des cours de qualité. Donc tu vois, on est bien. C'est ce qui m'a fait y rester, quoi. On est bien à côté du musée Anne Frank, mais à Berlin. Ouais, à Berlin. Alors, en fait, moi, pourquoi Berlin, de mon côté, je sais pas. Enfin, le côté justement ultra polyglotte. Ouais, enfin, polyglotte et comment dire, une trappe pas marginale, mais underground. Il y avait une fiche qui était floue, mais j'avais cru lire Berlin dessus. Il y avait quoi? M'y mettre. Il y avait une fiche. Une quoi? Attends, j'ai pas compris. Une? Une affiche. Ah, une affiche. Une affiche. Ta voix est saute, chère Barry, non? Ouais, sur l'affiche, ouais. Pardon. Non, mais c'est. On m'entend bien? Ouais, mais oui, affiche, ça voulait pas passer. Ouais. Non, parce que je disais une fiche. Ah, une fiche. Une affiche, une fiche. Ouais. Une feuille, quoi. Ouais.
Bon, enfin bref, un poster. Et il y avait, c'était très très flou, mais j'avais cru lire Berlin dessus et j'ai failli changer. Ouais, je crois voir un truc noir et jaune, non ? Je sais plus. Ouais. Moi, je suis un peu dégoûté, enfin dégoûté, non, mais par contre, bah, je suis allé à Amsterdam et je me souviens très bien du musée Anne Frank, donc je savais que c'était pas le musée Anne Frank. Mais je me disais peut-être qu'il y a un truc autre, tu vois, une galerie d'art qui parle d'Anne Frank, mais je savais que c'était pas le musée d'Anne Frank parce que ça ressemble pas du tout à... Bah, ça, effectivement, c'est la maison, mais... c'est la maison où elle a été capturée. Non, Amsterdam, ouais, c'est ça, où elle a vécu planquée pendant plusieurs mois avant d'être, d'être arrêtée et d'être envoyée à Auschwitz. Auschwitz, je dis pas de bêtises. Mais ouais, du coup, j'ai failli perdre. Du coup, ouais, je me suis permis de mettre tes points pour savoir qui finissait premier, en fait, Oran. Bon, bah, je finis premier, mais... honnêtement, je ne sais pas comment j'arrive à m'en sortir deuxième avec ce 625 sur Ground 3. Parce que t'as fait du quasi 5000 à chaque fois. Bah, ouais, moi, j'ai fait un 5000 et deux quasi 5000. Ouais, bah ouais. Ouais, mais en fait, c'est surtout que t'as fait un... c'est ton ming. En fait, le fait que t'aies fait 2 ming et ming... Enfin, ming 8, tu vois, 2 ming et 2 ming, en fait, ça te sauve pas du reste. Et Charivari, t'as fait à peu près pareil qu'à Calice, en fait. T'as fait 2000 et 1000, ce qui fait que, voilà. Ouais. Et moi, j'ai fait à peu près comme toi, Mimiche. C'est... Toi, Mimiche, c'est vraiment ton 625 qui te plante. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, moi, je fais 1740, mais au gros coup de bol, parce que j'étais pas dans la bonne ville. Donc... Ouais, Je trouvais au moins de bons pays sur le round 3, j'avais un moyen de te passer devant. Là où je suis content, c'est sur le Fox, du coup, le deuxième qu'on a eu, où j'ai fait le 5000 en 3 minutes et 20 ouais, secondes. Non, il était propre. Alors, sachant qu'on est sur du 6 minutes, plutôt content. Petite et du coup, Sarada nous dit Anne Frank a été à Bergen-Belsen. D'accord, elle n'était pas à Auschwitz, alors. Merci, Grafou. Bon, et bah voilà, du coup, sur le... Ouais. Ah, c'est dommage ce Berlin. Ah ouais, en termes de timing, si on veut en refaire une autre, c'est maintenant. Ça va être un peu serré. Donc on ça va être en 5 minutes. Ce que je suggère, c'est que voilà, une partie rapide, peut-être sur du coup quelque chose qu'on connaît plus, donc ouais, rester sur la France, ou les McDo, parce que les McDo c'était assez facile aussi, mine de rien. Ah ouais. Alors, j'irais bien sur France. Ouais. J'sais moi pas. Aussi, le France m'irait bien. Il y avait quoi ? Il y a quoi d'autre à part McDo ? Comme, j'en ai pas de prêt. Je vais perdre du temps en fait à chercher la map, alors que là, ah la ouais France, dans 30 secondes, bah ouais. Pourquoi ça marche comment ? En fait, faut chercher dans les maps. Tu fais browse map, c'est ça ? Ouais, c'est ça, voilà, et puis faut rechercher dedans. Donc, More official map. Non, justement, faut prendre toutes les maps, en fait, faut pas prendre les maps officielles, faut prendre les maps. Attends, fais voir. Ah bah attends, j'ai pas de. Hop. Non, ça marche pas. Bah. Alors, Popular Map, c'est ça ? Ouais, Popular Map. Ah ouais. Ah, il y a les Open Stadium, US Cities... I saw the sign. Géodétective, oulala. Oh, c'est chaud, ça. Je crois que Géodétective, c'est un no-moving, un truc comme ça. World City, Famous Places... La fameuse diversité française... Ah, c'est rigolo, ça, des zones depuis des films. Il faut avoir vu les films. Ah, bah oui. Je crois que t'es pas sur la bonne scène. Ah oui, je ne suis pas sur la bonne scène. Ah, US Capital, UNESCO, ah, ça peut être sympa. J'en ferai bien un qu'on n'a jamais fait, en fait, pour finir, puisque c'est la dernière game avant les vacances. Bah, y a sinon, c'est une map officielle, mais qui peut être bien, c'est les Famous Places. Pourquoi pas. Et si on est fort et qu'on les connaît, ça va aller vite. Si on les connaît pas. Et si on le connaît pas, comme moi, tu vois. Les Famous Places en 5 minutes ? Moi, ça me va. Ouais. Ah, il y a City Skylines, sinon. Oh, ça peut être sympa, ça, en vrai. City Skylines, ça veut dire qu'en fait tu dois arriver, j'imagine, dans des points de vue où tu as une belle vue sur les villes et en fonction des gratte-ciel, des monuments, etc., tu peux reconnaître la ville, tu vois, genre typiquement New York, tu sais, tu vois là, genre les gratte-ciel, la Statue de la Liberté, tu vois. Je sais pas,
Skylines. Hop. Les ouf d'andites sur le chat. Vous préférez un peu... Bon, Famous Place, ça peut être sympa, ceci dit. Allez, on part sur les Famous... On se dépêche, on peut se faire un Famous Place en 5 minutes, et puis on voit après. Ouais, parce qu'il est 23h, donc à mon avis, on n'en fera plus qu'un. Non mais ouais, allez, on part sur Famous Place. Ça vous va? Ça fait un moment qu'on dit qu'on devait le faire, celui-là. Alors, tout le monde sur le chat dit comme vous voulez. Bon, merci. Merci, oh, trop gentil. Il nous laisse le choix, allez. C'est sympa. Allez, on passe sur un Famous Sans Place. Plus, parce que peu importe ce qu'on prend, ils savent qu'ils vont s'amuser, alors. Sans plus attendre, je propose de faire 3... Attends, mais je suis pas prêt. Ah, mais attends, il y a un lien, il y a quelque chose comme ça. Mais oui, si on vous attend. On a dit qu'il faut faire vite, on fait vite. Non, mais le mec, exagère. Ça va, il est 23h. Non, mais il y en a qui bossent demain. Bah oui, moi aussi. Je connais pas le château qui est en... C'est le château en Alsace? De Königsberg, non, je crois. Je crois pas que ce soit le Königsberg, non. Le Königsberg, ouais. Non, je crois pas. Oh là là. 1. Prêt ou pas? 2. 1. Go. Alors, oh putain. Famous Place. C'est pas où on est. Oh là là. C'est où ça? C'est quoi ces petites rues? Dubrovnik, ouais, il me semble. Enfin, j'y ai pensé. Dubrovnik, c'est en Croatie, Dubrovnik. Non. C'est où Dubrovnik? En Albanie? Monténégro? Dubrovnik, voilà. Alors, par contre, elle est où la vieille ville de Dubrovnik? Plein de petites rues. Ah, ça doit être par là. Hop. Alors. On est en 5 minutes. Hein. Restaurant Lokrun. Il va y avoir 36 milliards de restaurants. Évidemment. Ça. Alors. Alors là, il y a... Ouais, alors ça, on va pouvoir trouver. Ça, c'est quoi, ça? Une grosse église. Qu'est-ce que c'est comme église, ça? Avec une fontaine. Là, il y a une église, mais est-ce que c'est ça? Il y en a une autre ici. Historic Stairs. Et salut Robin. Après, est-ce que c'est pas plutôt ça? Il y a des églises partout, en fait. Bien joué, Mimiche. Qu'est-ce qu'il a, Mimiche? Il a trouvé. Merci pour le follow. Ah, on est coincé ici. Il reste 2 minutes. On n'a pas le nom des rues, là. Flouté. Ouais, c'est flouté ces rues. Ah, Hot Puka.
Ah, c'est là. Pas de poker. Donc, hot poker. Bagueteria, mais à coup pas. Elle n'est pas écrite. Le nom de cette rue. Ah, il y a la poste en fait. Ah, Ulika Siroka. Elle est où là, Ulika Siroka? Oh. Oh, GG, Mimi. Hiroka. Elle était là. Putain, j'étais en train. Ah, j'étais pas parti du bon côté. Elle était là. Là. L'église. D'accord. GG, Mimi. GG, Mimi. Je crois que je vais dégoûter tout le monde. J'ai mis mon point au hasard. Non. Non. Mais au hasard, full au hasard ou non, au hasard Non, je savais. Oui, tu savais je savais qu'on Dubrovnik. Était. Je savais qu'on était à Dubrovnik, je savais qu'on était dans la vieille ville de Dubrovnik. Ouais. Par contre, j'avais pas la foi de chercher où on était exactement. Putain. Donc j'ai mis mon point au hasard, j'ai fait 5000. Il m'a manqué 10 secondes. Ouais, j'étais en train sais, de remonter j'ai... la rue, là, j'allais la trouver, ouais. Sa Siroka, ouais, là, j'avais l'intersection des deux rues, donc j'aurais ouais, fait 5000 aussi, sûrement. Mais vraiment, j'ai pin au hasard. Alors moi, j'ai fail. Oh non, non. J'ai voulu fermer une fenêtre, j'ai fermé la mauvaise fenêtre, du coup j'ai perdu la game. Oh, obligé de rouvrir et puis de relancer. Bah non, parce que j'ai essayé, mais je reprends pas la même... Bah, avec le lien, logiquement tu reprends ouais, oui, on reprend le lien, normalement bah... c'est bon. Non, je tombe sur un autre truc. Ou alors c'est la deuxième map peut-être. Oh merde. Ah oui, c'est la deuxième, hein. C'est la dernière que j'ai mis, hein. Non, mais je tombe sur le deuxième round. Niveau. Ah non, bah, oui trace, non, mais Charivari, attends-nous pour le troisième. J'ai quasiment rien regardé. Bon, bah vas-y, Charivari, tu ouais, fais ton vais. Truc. Ouais. Ne perds pas de temps. Bon, en tout cas, Dubrovnik, c'est marrant. J'ai eu la confirmation très vite, mais je l'ai pas dit. J'aurais dû le dire pour que mon honnêteté soit... Mais je vous garantis, je suis de bonne foi. J'ai pensé à Dubrovnik en voyant les petites villes. Les petites ruelles. Mais bon, je connaissais pas du tout Game of Thrones. On en parlait ouais, tout à l'heure pour l'Irlande. Excusez-moi de voilà. Ne pas avoir regardé. Hein. Et, moi j'ai pas regardé, mais je savais que ça m'avait servi de décor et je savais que c'était une vieille vie médiévale. Non, par contre, c'est comme ça que je connais en fait et que je savais ouais, que c'était. Relativement en facilement trouvé que c'était les remparts de Dubrovnik. Mmh. Et vu le nom, je me suis dit, bon, on est clairement en Europe de l'Est. Mmh. Mais oui. Par contre, c'était de trouver où on était. Et j'ai eu tellement douté que je suis même allé chercher à Malte, à Chypre et en Sardaigne. Bon, Sardaigne, je cherchais en sachant que ça serait pas là. Et comment t'as trouvé, mais, du coup, je suis revenu parce que j'ai vu un drapeau qui me faisait penser Monténégro. Mmh. Et du coup, je suis revenu vers le Monténégro, mais je dis, c'est bizarre, on n'a pas de cyrillique. Et en fait, en zoomant un petit peu, je vois juste à côté du Monténégro, Dubrovnik. Donc là, je zoome. Et après, même raisonnement que Mimiche, hein, vieille ville. Je me mets sur la vieille ville. Et je me suis aidé du coup de l'entrée de la ville, le Vratahol de Hotpila, qui du coup indiquait la muraille de Dubrovnik, qui était juste à côté de là où. Ah bah, je l'ai pas vu, moi, la muraille, tu vois. Donc, du coup, et j'étais à l'opposé, plus de on avait le lac avec le port. Et j'ai pas été suffisamment loin pour voir ça. Et du coup, j'étais en train de me repérer par rapport au nom des rues. Et j'avais trouvé la bonne intersection, donc voilà, il m'a manqué 30 en fait, secondes en prenant... pour trouver la bonne intersection. Ouais. En sortant de la rue et en montant vers le nord, tu tombais sur une grosse rue, entre guillemets, où tu avais la porte en d'accord, face. Mais je suis pas allé par là. Bref. C'est comme ça que je savais que, comme cas, je savais qu'on était derrière. On va pas faire allez, trop pouvoir ôter Charivari. On rejoint Charivari. Voilà. Du coup, 3, 2, 1, go. Go. Allez, next round. Bon, bah là, facile, c'est New York, Flatiron. Alors là, c'est pour Akalis.
Ah putain, Flatiron Building. Alors si je dis pas de bêtises, par contre, il est là, Flatiron Building. Voilà. Hop. Alors faut qu'on soit très précis, mais on est juste en face, donc. Alors par contre, lol. Ne soyons pas trop greedy. Ah non, normalement on est là. Hein. Bon allez, je valide. Oh non, putain. À deux points près. Oh. Ah là là, trop greedy. Par contre, où j'ai... Où trop j'ai, greedy, où j'ai, 40 mètres. Oh. Ouais, t'es comme moi, t'as fait combien 21 moi, mètres. 4999 98 ouais, pareil. Même en fait j'ai guess trop vite, je me suis pas pris le temps en fait. Ouais mais ouais d'accord, ok. Et du coup Charivari elle a fait aussi le suivant. Charivari t'as fait le Flatiron Building. Ah on a perdu Charivari. Ouais peut-être, je sais pas. Ah t'as eu un souci, après il y a eu un souci en fait, elle voyait rien en fait. Ah merde. Ouais. Bah moi c'était tout floué, je pouvais pas du tout bouger. Ah non. Oh zut. Bon. Pas parti sur cette game. Non. En tout cas c'était pour toi Calice celle-ci. Oui après, c'est ce que j'ai dit. Je, si je, je me suis pas. Quand même mise à peu près bien entre guillemets. J'avais reconnu que c'était New York quand même. En fait c'était le Flatiron Building, donc le bâtiment d'Acalis. Voilà. C'est bizarre de se faire dire oui, il y a ton bâtiment là sur le Easter. Ça fait le mien, mais c'est l'idée. Ouais. Moi, ce que je disais à Mimi, c'est que lui, je l'aurais pas reconnu. Je pense que je me serais fait bâcher. Voilà. Alors, pour les difficultés de Charivari, je me suis permis, j'y ai mis 4998 pour les deux premiers, c'est votre moyenne à tous les trois. D'accord. Bah non, j'avais vraiment fait nul au premier. Voilà. J'avais fait 2000 et quelques, je crois. Profites-en! Bah. Après, donc là, t'as, et t'as là, fini. J'ai fait 4156. T'es à New York là, on est d'accord. Oui. Bon, bah c'est bon alors pour la prochaine game, ça va être bon. Allez, vous êtes prêts pour la prochaine? Celle-ci était rapide. Yep. 2, 1, go. Hop. Oh, purée. Londres, Westminster, voilà, ici, j'ai pris la même photo. Alors, on est où? On est, allez, pile entre ces deux bâtiments. Allez, hop. Hop, hop, hop. Voilà, 14 mètres. Voilà, là, je dis oui. Elle est donnée celle-là, mais clairement. Ah, les deux dernières étaient données. Hein. Plus que Dubrovnik. Hein. Exactement. Voici là, d'accord. Là, je dis oui. Hop. Voilà, ça va. Ouais. Bon, un peu de difficulté, les gars, s'il vous plaît. Hein. Là, c'était un peu donné. Hein. Bah, j'avoue que j'ai hésité parce que je ne suis jamais allé à. À Londres. Ah, t'es plus proche que moi. Je suis à 14 mètres. Je suis jamais allé à Londres et ça sera un plaisir également d'aller. Moi j'y suis jamais. Ah, c'est magnifique. Je viens de me taper un fou rire. Pourquoi? Tu t'es planté? Oran, tu dis non, c'est pas ça. Oran, on termine la partie en disant oh bah ça a été rapide. Ouais. Et donc on fait suivant. Je vois où on arrive. Ouais. Je me suis fait, ça va être encore plus rapide. Bah oui, là, clairement, oui. C'est pour ça, là, je me suis fait, non, mais c'est pas possible. Limite, on va pouvoir se faire deux games comme ça, en fait. Bah là, j'avoue que. Par contre, en termes de positionnement, c'est pas évident, hein, parce que on est sur l'eau. Oh, ça va. Sur l'eau, c'est ouais, donc je suis à 96, tu vois. Moi, je suis à 5 mètres. Moi, je suis à 14 mètres. Non, ça va aller. Mais oui, allez à Londres, visitez Londres, c'est magnifique comme ville. Mm-hmm. Vous pouvez. Moi, j'y ai passé une semaine. Et en 2017 ou 2018. Je voulais y aller. Et j'aurais pu y passer facile deux semaines, c'est tellement bien. Mais
C'est vrai que ça fait partie dont toi on parlait de Berlin. Enfin, j'aimerais bien aller à Berlin. Un tour à Berlin, ah, Berlin ouais, ça a l'air magnifique. Moi, j'avouerais que Berlin et Londres, ça fait partie de mes villes que j'aimerais me visiter un jour. Ah ouais, non, moi, je voulais aller à Londres. Il y a eu le Covid. Les gens ont fait un voyage groupé difficiles aventuriers. C'est très drôle en vrai. Ouais. Nous, on avait un petit Airbnb au nord de Londres qui était très sympa. Il nous fallait une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, bus plus métro pour être à Piccadilly Circus, donc en plein centre de Londres. Donc franchement, c'était très très bien placé, très très bien situé. Donc c'était cool. Bon, et ben, next, l'avant-dernier. 3, 2, 1, go. Hop. Bon, pareil, hein, Fontaine de Trévise à Rome. Par contre, je sais pas du tout où elle est située dans la ville. Je ne sais pas où elle est, la fontaine de Trévise. Oui, c'est à Rome, hein. C'est pas... C'est pas à Milan, ça. C'est bien à Rome. Ah, crotte. Ah, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Il y a tellement de trucs à Londres. À Londres, à Rome. On peut déjà se placer, hein, mais... Ah, voilà. Est-ce que c'est ça? Ah! Passe. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que c'est pas... Ah... J'espère que c'est pas... Fontaine de Trévis. C'est à Rome ou c'est ailleurs? Donc c'est à Rome. Hein. Oui, Roma capitale. Fontaine de Trévis. Donc c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Elle est où la fontaine de Trévis? C'est pas du tout où elle est située. Montana. Ah, putain. Il reste 2 minutes. Terme d'Agrippa, oui, mais c'est pas ça. Palazzo, Panthéon. Montana. Sinon, on va bouger un peu pour essayer de trouver. Ah, alors. Ouais, mais remarque, si on peut pas bouger, on est. On n'est pas plus avancé que ça. Ah, voilà. Non, on est coincé, purée, on est coincé. C'est sérieux. Ah, fait chier. Alors, j'ai perdu du temps. Ah, Fontana di Trevi, purée. Ouf.
Alors, on était où exactement? On était juste là. Ok. 4 mètres. Ouh. Donc c'est où? Bah, j'ai pas guess encore, mais voilà quoi. Bah, genre, en fait c'est horreur. Où, c'est une horreur. Tu sais, mais à trouver dans la ville, il y a tellement de trucs à Rome. C'est exactement ça, en fait. C'est que je sais exactement, on est sur devant la fontaine de Trévis. Oui, voilà, on le sait. Où c'est à Rome, je suis incapable de savoir. Moi aussi, et pour le coup, Rome, j'y suis jamais allé. Et c'est un autre truc. Enfin, de toute façon, toutes les capitales européennes, faudrait avoir l'occasion de les visiter, quoi, tellement c'est... Bon, coup de bol, je l'ai trouvé. Mais pareil. Hein, après, moi, voilà, j'ai guess. Enfin, toi, je. Ah, t'as guess ? J'ai guess, là, mais bon, 4909, j'étais pas du tout dans le bon sens. Pour moi, on était au sud. J'ai pas trouvé la bonne fontaine. Mais ouais, non, mais moi aussi, j'ai du mal à la trouver. Mais j'ai coup de bol, je l'ai trouvé. Rage, j'ai galéré à la trouver, alors que pour le coup, là, je peux vous le dire, j'y étais et je l'ai déjà vu. Ah merde. Ah ouais ? Je l'ai vu devant et c'est magnifique. Et tu te souvenais plus où c'était dans la ville? Je sais pas pourquoi je la plaçais absolument à côté du Panthéon. Parce que j'ai le souvenir qu'on avait fait les deux en même temps. Bah c'est pas loin. Du coup, c'est pas loin. C'est pas très loin. Ah non, c'est donc, pas du loin. Du coup, je suis à 4978. Là, je le vois le Panthéon. Donc c'est pas loin. Ouais, mais le pire, c'est que je suis passé à côté, quoi. Bon, bah moi j'ai fait 5000, mais coup de bol, je l'ai trouvé sur la fin. Parce que pareil, hein, on l'a tous reconnu dès le début. Ah, mais j'aurais dû dézoomer. J'aurais dû dézoomer, on la voyait en gros. Pas si gros que ça, hein. Pas si gros que ça. Ah bah du moment que tu voyais, ouais, même je voyais le Panthéon, la place Navone aussi qui est magnifique, les fontaines et les sculptures, enfin toutes les sculptures à Rome. Oh là là, c'est de toute façon toute la magnifique. Ville, je pense qu'elle et Rome, est belle, hein. Rome est magnifique. Mais moi je cherchais plus ça, cherchais ça plus au sud en fait de Rome, je vois pourquoi. Alors moi j'avais vu un panneau McDo à une minute, oui. Alors j'ai cherché un McDo, j'en ai trouvé un, mais j'ai trouvé une fontaine à côté, mais c'était pas la bonne. Aïe, aïe, aïe. Bon, et bah du coup, oh là là, attendez, comme c'est le dernier, on va regarder, on va faire un point sur les scores. Est-ce que... 19 000, oh pur, bah ça joue à rien quoi. En fait, tout ouais, va se jouer sur le dernier quoi. J'ai un peu triché. Hein. Non mais on te pardonne, j'arriverai. T'as été victime d'un bug, ça va. Victime d'un bug entre la chaise et le clavier. Donc, moi je dis tout se joue sur cette dernière game hein, parce que là. Oui. Donc, on est toujours sur Monde, hein, c'est ça, hein, Famous Place in the World. Toujours. Eh bien, quand vous voulez, les amis. 3, 2, 1, go. Oh putain. Nous sommes dans un fort. Mais alors... je ne connais pas. On va bien avoir un drapeau. Oralement peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Alors, muséum. Hein? Eva A. C'est vrai qu'on arrive à lire ce qu'il y a écrit. Eva Art, c'est où ça? En Allemagne, hein, peut-être. Ça fait un peu... Oui, sauf un tech, je ne sais pas. Ah, Café Oscar Museum. Throwback avec des ronds barrés. Le Danemark. On barré. Mais est-ce que c'est...
Rombaré, il n'y a que au Danemark. Hein. Finlande, il n'y a pas de Rombaré. Où est-ce que c'est que ça? Ça fait pas Danemark. C'est plus Suède ou je ne sais quoi. Et nous, Norvège. Ah, il y a des rombarés en Norvège, Oslo. Alors, le seul truc que je connais à Oslo qui pourrait éventuellement ressembler à ça, c'est qu'il y a une forteresse. Ici. Mais ça ressemble pas trop. Hein. Elle était où cette forteresse? Par là, je crois. Je pense pas que ce soit ça. On voit pas la ville, c'est pas ça. Allez, il faut. Un cul-de-sac. Putain, c'est un cul-de-sac. Où est-ce que ça peut être ça? Par là, il y aurait des. Pour défendre peut-être le. Drawback. Je ne connais pas, donc. Chier. Ah. Ça va jouer au coup de bol. Hein. Eva Ar. What? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais non! Ah, mais. Je suis à 1 km et demi. Non mais moi je suis tapé un. Oh putain, le coup de bol. Mais t'es sérieux, Aura? Mais genre. Quoi? Mais oh, je suis. J'ai oublié de guess quoi. Non, enfin, j'ai oublié de mettre un point. Mais ah, non. Merde. En fait j'ai compris. Bah en fait j'étais parti à chercher d'infos et j'ai pas vu le temps passer. Oh putain. Du coup, c'est quoi que t'as vu, Charivari? J'ai pas entendu. Mais regarde. Mais regarde l'enjeu. Moi aussi j'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'était réveillé. Mais je pense que je suis resté 30 secondes devant en train de me marrer. Mais moi aussi. En fait, je pense oui, que je les ai vus aussi. Les mecs étaient au courant que la caméra passait et donc ils se sont tapés un délire. Je crois que c'est. Oran, GG quoi. GG, sur un coup de poche par exemple. Ah ouais. Pas que. Pas que. Alors en fait. Moi j'ai trouvé aussi la Norvège, mais. Ouais, au début je pensais au Danemark. Parce que j'ai vu des ronds barrés sur les écritures. Oh. Alors après, je me suis dit, mais le paysage, ça va pas avec le Danemark. Il y avait des collines, ça faisait plus sûr, donc j'ai pensé à la Norvège. Et après, j'ai vu un point NO, je sais plus où ni comment, mais j'ai vu un point NO, donc je me suis dit, c'est la Norvège. Et du coup, je me souvenais avoir visité à Oslo un fort. Mais ça correspondait pas, on n'était pas à Oslo, on n'était pas en milieu si urbain que ça en fait. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, c'est peut-être un fort pour défendre Oslo. Donc en fait, j'ai regardé la carte, je me suis dit,
Oh, là, je mettrais bien un fort. Ça oh serait non. Stratégique. Ah non. Bon, hé, vous remarquerez qu'Oran est un fin tacticien. Parce qu'il a quand même trouvé un endroit qui était intéressant. Et je finis à 1,5 km. Purée, t'aurais fait un bon roi au Moyen-Âge. Je finis à 1,5 km. Très très propre. Tout ça parce que je me suis dit que je mettrais bien un fort là. Je me suis dit, ouais, cette île, elle est pas mal là, pour défendre la ville. Moi, mais me, bon, me, c'est du bol, hein, suis... parce que bah, ça aurait pu être n'importe où en Norvège. Je t'ai mis sur la côte, et puis après, j'ai parcouru toute la côte pour trouver le nom, parce qu'il y avait un nom qui revenait tout le temps, mais je ne l'ai jamais trouvé, du coup. Et j'avoue, si juste, je sais, j'ai vu Drawback. En fait, j'ai vu Drawback sur la carte, ça m'a vaguement dit quelque chose, mais je suis pas sûr de l'avoir lu, finalement, et sur et un panneau. Et pour finir, j'ai réussi donc, à rentrer dans la forteresse, moi, sur la toute fin du round, en fait. Ah ouais. Ouais, donc je vais faire. D'accord. Mais j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps en fait de profiter d'infos. Oui, mais c'est joli. D'ailleurs, je fais de la merde, mais moi sur le dernier round j'ai mis 0 aussi. En fait, c'est que je suis à 1293 kilomètres. Ouais, t'es en Angleterre, j'ai 0 toi. Points. Oui, oui, pour moi j'étais en Angleterre. En fait, pour moi les canons ça a fait tilt dans ma tête débarquement. Et du coup, ah je suis non, resté ouais. focus là-dessus. Moi au début j'étais et le truc, plus c'est sur qu'il Allemagne. Y avait si peu de panneaux que j'ai pas ouais. eu de. J'étais sur Allemagne au départ, ailleurs. Puis après Danemark, puis voilà. Oh et ouais, non, je. Bon, et eh bah écoutez, j'ai eu du pot hein, sur le dernier, franchement, ouais. Coup de bol, hein, 1,5 km. Ouais. Moi je dis que c'est une bonne conclusion pour toi, vu que c'est ton dernier stream GeoGuessr et que tu finis premier à ton dernier stream GeoGuessr. Mmh. Yes. C'est parfait. Et là, sur. Et j'ai corrigé mon bon score au round 1. Oh. T'as mis ton bon score 4998 ouais, 132 non, au round 1. Oui, c'est en 32. Bah, je vois pas. Ah, ça y est, c'était pas actualisé de mon côté. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, ouais, c'est. Enfin, je suis assez content de mon famous place quand même. J'ai du pot, presque 25 000. Mm-hmm. Alors, par contre, c'est vrai que je me suis dit. Juste avant, on se disait que justement, ça serait une dernière ronde qui allait faire la différence. Bah, clairement. Et quand j'ai vu. Ça l'a fait. Quand j'ai vu où on a popé, je me suis fait oh purée, ça me dit rien, donc ça doit rien dire aux copains. Donc je me suis dit, ah bah ça va être intéressant parce que justement ça va vraiment être un coup. Enfin, tu vois, voilà, celui qui trouve les meilleurs indices. Quoi. Ouais, bah. Mais je trouvais que c'était vachement dur parce que du coup, si tu connais pas du tout, et bah t'as du mal à sortir de la zone. Oui, c'était ça le problème. Ouais. C'est que là on pouvait pas sortir de la zone. Pareil en Italie, j'ai galéré à sortir de la zone. Ah, moi j'arrivais pas à sortir de la fontaine de Trévis. J'ai jamais sorti de la fontaine de Trévis. Bah, moi j'ai réussi à un moment. C'est. Ouais. Et pareil, hein, dans la petite rue à Berlin, on pouvait pas sortir hein, pour les pareil, street art. Ouais, par contre, c'est vrai que du coup, c'était un peu frustrant quand même. Mais bon, moi, c'est sympa. Bon, et bah écoutez, c'était un dernier ouais, on stream. A vu des belles choses. Ouais, voilà, ouais. Ça changeait un peu des autres GeoGuessr qu'on a fait. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Bon, en tout cas, soirée très plaisante. Il est 23h30, c'est une heure raisonnable pour arrêter et on ne va pas se lancer dans un nouveau. Ouais, je récupère mon titre propre. Mais samedi que vous félicite tous et toutes. Il a raison. Parce que. On aura bien combattu pendant toutes ces soirées. A triomphé sans. Je crois que j'ai beaucoup de capriables, mais. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc il c'est faut bien avoir des adversaires à très haut niveau pour briller. Et vous l'êtes. Hop, du coup, c'était très sympa. Alors attendez, je vais pas me priver de réafficher ce petit planning de vacances que j'ai bien chargé. Oui, mais ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai moins de choses à côté à faire IRL et ça c'est cool. Oui. Et du coup, ouais, demain on se retrouve pour du Holy Cube. Je me permets juste de couper, Oran. Je viens de me regarder tous les scores des parties de GeoGuessr depuis le début. À l'exception de la semaine dernière, tu es premier sur toutes les soirées. Parce que pas tous les toutes games. Toutes les soirées. Ouais, toutes les soirées. Bravo. Merci. Bravo. Ouais, non, mais j'ai vu que et Pierre, il était invité à une soirée IRL chez GeoGuessr, je sais pas quoi. J'aurais dû postuler. J'aurais dû postuler. Non, mais ouais, bon, ça paye d'avoir passé des années à se perdre sur Google Earth. Avant même de savoir que GeoGuessr existait.
Non mais c'est cool. Du coup, ouais, planning chargé, mais planning de vacances. Alors moi je bosse encore demain, c'est pour ça que je dis que 23h30 c'est une heure raisonnable pour arrêter, en ce qui me concerne. Mais à partir de mardi soir, on pourra faire durer un peu plus de plaisir, pousser jusqu'à minuit facile. Parce que voilà. Mais purée, le petit bout là ce matin, il m'a réveillé à 6h30. Non mais. Oh. Un dimanche, mais faut lui expliquer que le dimanche on dort. Hein. Mais on a beau lui expliquer, il est. Non. Oh. Mais. Sauf qu'il connaît pas les jours de la semaine encore. C'est ça. Mais je... Non, mais je lui chante, tu sais, le facteur n'est pas passé. Pour qu'il commence à apprendre les jours de la semaine. Lundi, mardi. Mercredi. Et donc j'insiste sur dimanche, le facteur n'est pas passé. Mais non, il se réveille quand même. Donc 6h30 ce matin, c'était chaud. Alors on a réussi à lui dire non, mais tu retournes te dormir. Donc après, au bout de 20 minutes, il est revenu, mais on l'a gardé avec nous. Enfin bref. Bah, mon frère, quand il était petit, il se levait tôt, très très. Enfin, disons qu'il se levait toujours très très tôt, quoi. Et mes parents, au bout d'un moment, ils en ont eu marre, donc ils lui donnaient le biberon, puis le mettaient devant un dessin animé. Ouais, non, on n'a pas fait ça ce matin, mais j'avoue que c'est assez... Mais il était plus vieux, ouais. Il était plus vieux que ton fils. Mais bon, bref, c'est... Donc il va falloir à peu près, je pense qu'il va lui falloir à peu près une semaine et demie, deux semaines avant de prendre le rythme de vacances et se réveiller vers 8h, quoi. Mais je pense que voilà, dès mardi soir, on pourra se faire des streams un petit peu plus. Mardi soir, Mimiche, pour AstroTerre, je te propose qu'on bosse sur l'IA pour améliorer la case sur laquelle se rendent les créatures maintenant qu'elles arrivent à détecter la... Oui, qu'elles soient plus coincées. Ouais, entre elles. Et puis après, j'aimerais... Mais ça, je vais commencer de mon côté. Pour débroussailler un peu le terrain, bosser un peu sur le log, tu sais, le journal, enfin la console. Ouais. Yep. J'ai réfléchi. Bah, tu pourras regarder d'ailleurs, j'ai posé quelques idées dans le dossier AstroTerre. J'ai fait un nouveau fichier Excel juste pour poser quelques petites idées. Mais je t'expliquerai ça, mais parce que c'est pas très clair. Mais J'ai 2 heures de train demain, donc j'aurai le temps de regarder ça. Nice, ok. Eh ben écoutez, Je vais. Je vais chez Charivari demain, non, je vais à Nantes demain. Oh. Ah. Et bah écoutez, les amis, c'est là-dessus qu'on se quitte. C'était vraiment une très très bonne idée de m'avoir conseillé ce GeoGuessr. On a fait donc 8 streams, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ? 7 ou 8 ? Ouais, 7. 7 streams. On était à 6 la semaine dernière. 7 streams sur GeoGuessr, vraiment fort sympathique. On en refera, ça c'est sûr. Mais on va laisser la place le dimanche soir à d'autres petits streams de jeux un peu différents pour les vacances. Mais on fera des GeoGuessers, on se réorganisera ça, il n'y a pas de souci. Bonne nuit à tous, merci encore les copains, c'était très sympa. Et rendez-vous demain. Merci aussi pour tous les subs, les follow dans le chat, hein, évidemment. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée. Ah, j'ai pas lancé de raid. Salut. Attendez. Ah, attendez. Ah, ben voilà, j'ai oublié de lancer des raids. On s'en arrête sur qui ? Je sais pas pas qui c'est qui y a en que stream, je connais qui ouais. stream ce soir. C'est un peu pareil. Allez, tip Steven, un petit peu de musique. Allez, c'est parti. Donc, très bon choix. Oui, c'est très bonne petite musique si vous voulez finir la soirée tranquillou. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit.